ou de nous soutenir, soutenir Bisson Abba Jeune. Nous avons besoin de vos jeunes, soutenir Bisson Abba Jeune. Soutenir Bisson Abba Jeune. Donc, journée le Kani Malamu, malgré anti-valeur, développement de cannabis au Congo, bah, nous avons quitté les Congolais nous sont à vivre l'événement. Ouais. Donc, l'événement, nous avons dit, Mabunda Azali sous présidente de l'Assemblée nationale. Ce qui est sous présidente de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale est pour Zala Boé. Plus âgé, n'a deux moins jeunes. Il y a l'Assemblée nationale qui est pour remplacer Bango. Donc, président, il y a un plus. Il y a des plus âgés. Bah, au basami balé, côté nandé, basaba moins jeune. Donc, bon, nous devons former nouveau bureau y a assemblée nationale. Donc, il y a posé l'andabiso, posé cette là, la musala, posé ça là. Kobo sanate ko chajem na yo, kobo sanate ko s'abonner, ko tetoti ka la famille. Donc, merci vraiment. Vous êtes plus de 3300 personnes qui nous suivent en ce moment. Te bisa ki biso te biso nde toza ba kolo masolo. Donc, bisom tokani masolo, bisom tope sa makolo masolo. Toza ba kolo masolo. Une chaîne qui accompagne toujours le peuple. Le peuple. Merci beaucoup pour notre jeune Nabino, merci beaucoup pour notre encouragement Nabino. Si vous avez dit commenter, ma bé, il y a des ennemis à peuple. Il y a vraiment des ennemis à peuple. Vous l'entendez bien, il y a des ennemis à peuple. Peuple congolais, ils ont pour ça, ils ont la vision de mon Zamboka. Pour être tout en Zamboka, Oyo, tout banaté à chaque fois, les Cambouzans ont 4 Zamboka, tout bien là-bas, tout en Zamboka. Tous en apportant beaucoup cannabis se développer. Bah au bas en apportant bah y'a bah travailler bah ça se retrouve. Du coup bah jeune tous ça vraiment merci vraiment beaucoup à tout le monde soutenir. Philomène Mukwaya, monter ma bivence de Yombo d'Angleterre. Monter ma bivence de Yombo d'Angleterre. Philomène Mukwaya, ma grande sœur chérie, monter ma bivence de Yombo, la plus belle d'Angleterre. On a pu sur vraiment beaucoup de place aux Ali. Honorable, bonjour. Plus de 3300 personnes vous suivent en ce moment. Juste un mot. Un petit mot. Un petit mot. Nous avons conçu un nouveau paradis qui s'appelle la nouvelle majorité présidentielle. Au-delà de ce nouveau paradis, nous sommes entrés dans une phase rationnelle et pratique. Agresser l'agresseur. C'est tout. Donc, Mabunda est parti. Nous voulons installer un bureau provisoire. Les plus âgés, les moins âgés, on organise les élections. Merci. Le pouvoir au Congo n'est pas l'apanage d'un individu, d'un groupe. Fini la pensée unique. La fin de la pensée, là, on a qu'il y a 4 ans. La pensée unique, fini. Merci beaucoup, honorable. Mes respects honorables, justement. Mes respects honorables, justement. Mes respects, justement. Juste un mot pour la journée d'aujourd'hui. Plus de 3300 personnes vous suivent en direct en ce moment. C'était une journée très satisfaite, mais comme les clés de l'enfant, fin de compte, l'enfant finit par sortir. Donc, nous sommes à l'installation du bureau des moyens d'âge pour la continuité des travaux de l'Assemblée nationale. Le trait est en marche, mieux ça fait contrôle. Donc nous sommes sereins et calmes. Merci beaucoup honorable. Merci beaucoup, vraiment. Mes respects honorables. Plus de 3300 personnes vous suivent en ce net moment. Juste un mot pour la journée d'aujourd'hui. Bon, nous sommes contents parce que nous venons maintenant d'atteindre notre objectif. La voix, s'il vous plaît. Nous sommes contents parce que nous venons maintenant d'atteindre notre objectif. Ici, le bureau doit être installé. Je dis au
peuple congolais qu'il soit calme parce que le travail va commencer comme le premier premier président Félix. Et je vais ajouter encore en Lingala, ni ici la Kate, que Mabunda Kea il s'est reposé, non ici la Kate. Il se repose et le nouveau vent va commencer maintenant. Merci beaucoup, Mohamed. Voilà. Comme je regrette, il y a quoi un assistant. Donc voilà. Vous êtes venu de quel parti? De Kenge territoire. Kenge territoire. Quel de mon camp? Non, non, non. La bisou. Non, non, non. Mes respects honorables, juste un mot, plus de 3300 personnes vous suivent en ce net moment. Quel est votre mot pour la journée d'aujourd'hui? Bon, la journée d'aujourd'hui, c'est que nous nous sommes réunis après le dépôt de la pétition. Désavoue les bureaux de l'Assemblée dirigé par Mme Mabunda. Aujourd'hui là, nous devons identifier les doyens d'âge et les deux gamins pour un bureau provisoire qui va nous permettre de faire les élections pour un bureau définitif. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Merci beaucoup. Voilà, amis fidèles internautes, on peut vous montrer aussi qu'est-ce qui se passe dehors. Maintenant, les policiers sont en train de chasser la violence. Alors que le matin, ils avaient laissé les gens, les crimes, ils devaient aller accéder à ce que nous sommes en train de lâcher. Non, je suis en train de pas les délais. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes en direct côté cérémonie Kalamine Tezo Banatoza la Kilibanda. Vous m'en indengé babetaki population yaki ko accompagner cérémonie babeti bon ba gaz lacrymogène et consommé. La tikibino nanto la na madame, non, ça la bino résine. La ville de Kananga, il Maman, mes respects honorables. Hein. Honorable, plus de 3400 personnes vous suivent en direct en ce moment. Quel est votre mot pour la journée d'aujourd'hui? Malgré tout. Non, mais nous restons dans la légalité du règlement d'ordre intérieur. Mm-hmm. Mais c'est la procédure. Aujourd'hui, nous devons placer notre bureau provisoire. Nous observons ce que demande le règlement d'ordre intérieur. Nous avons identifié les plus vieux, nous avons identifié les deux jeunes députés. Donc nous attendons la cérémonie d'installation de notre bureau provisoire, tout simplement. C'est un exercice tout à fait démocratique, tout à fait légal. Nous, dans l'Assemblée nationale congolaise. Ouais, vous êtes élu de Tananga, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Est-ce que, comme Mme Mabunda n'a pas déposé sa démission, est-ce qu'il se pose et si ce n'est pas violer la loi ou la constitution d'installer directement les... Non, mais nous avons déposé la pétition que dit le règlement d'ordre intérieur. Plus de 252 députés ont retiré leur confiance en la personne de l'actuel ou de l'ex dans quelques heures, ça va être formalisé, de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale dans la République de Mouadé. C'est simple. Voilà, vous rassurez quoi avec ces nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale? Vous rassurez quoi au peuple? Que nous restons dans la légalité. Il est tout à fait normal que nous puissions retirer notre confiance dans la personne qui ne la mérite pas. Puisque nous ne voulons pas des blocages. Nous voulons que la vision du chef de l'État puisse être engagée
pour le bien-être de la population congolaise. Je ne vois pas qu'il y a plus que ça à dire. Merci beaucoup, honorable. Merci, vous êtes nombreux, plus de 3500 déjà. Abonnez-vous, aimez la vidéo. Abonnez-vous, aimez la vidéo. Constater présence à bureau ya sika weza ko analyser les gambe tali pétition wa doye déjà salé déjà et ko sala maboli bon ye a ko président plénière ya lelo parce que mbeko lo binengona bien que agitation kota ki belé parce que CG a signé qui communiqué et salé règlement intérêt mais de toute façon présence ou pas ya CG quoi empêcher tant que plénière ya lelo et salema. Merci beaucoup yango doye za déjà wana na ba jeune mi balé honorable Kodia Azawana, Tozozela, Ilulu Banda. Yo kombo nini pe oza eli ya mboka nini pe ya parti politique nini. Matondo mingi na mutuna wana nazali na kombo Somana Mondali Justin. Nazala ki élu doublement, député provincial, député national, na territoire ya Rungu, na province ya Otuele. Nazala ki moko na ba province de Mambre ya Grande Orientale. Voilà. Et puis nazali chef coutumier Ombo Kanangai. Question, monsieur. Na Konami, na groupe, na regroupement politique, alliance, lingol ba CCI, oya convention de Congolais, il y a honorable Lambert. Merci beaucoup. Merci. Question, monsieur Cézali, beaucoup rassurer peuple, nous, dans le nouveau bureau et ensemble dans son monde. Pour rassurer le peuple, mon salaire député, Zaliga, qui est pour rassurer le peuple, parce que détermination déjà toyé nango boyé et rassurer déjà peuple que mokonja ekolo alobaki biso to adhérer na vision na ye ezali déjà ko rassurer peuple parce que oyo toza ko sala wa ezali ono ya peuple to monaki que peut-être peuple abana ko reprocher biso nelo ko moko toza le komie bate toza likambango nini lokola vision ya mokonji ezali likona likambo tali peuple nde to ndimi que to appuyer et to soutenir ye de telle sorte na kobeta lisolo moke territoire wana ba poninga na ngoya rungu zoyo kana otuele kuna bana ba yebi avion te natanga vio kutute zana ba kose ba secteur ba chefe nzu camion ba yebi te somo tuke koti bana ba zako kamwa ba ekole tonga mite donc to zana problème ebele mais manda ba pesinga il faut na défendre yango que na défendre ba intérêt ya batu yango to ndimi ko konyata na boîte oyo mokonzi abongisi pona biso. Et Zaliga que bande konabiso ba doutete ba emboîté pas ba ya kokuta biso tota musambo konabiso ekolo kongwe kindeli boso matondo mi mbona mboka. Merci beaucoup ngape na tondi bino botondi. Merci votre carte. Tu es resté à la maison aujourd'hui, tu dois venir. Numéro 081 640 15 62 honorable Justin Somana. Mon frère. De quelle province du Haut-Ouest, le territoire de Rungu, je suis élu de Rungu. 81 640 15 62. Mon amboka mbote na yo. Mbote, mais vous pouvez changer l'anglais. Français. Français, okay. Bien. Erré honorable, vous êtes là à l'Assemblée nationale avec beaucoup de difficultés que cette plénière va bientôt commencer. À votre envie, les doyens d'âge. Quel message avez-vous à donner à vos élus et au peuple congolais qui attendent de vous une mission aussi glorieuse de sauver la patrie? Vous êtes un très bon journaliste. Vous posez la question, vous répondez vous-même. Bon, sinon, moi, je suis élu de Mweneditu, voilà. La ville de Mweneditu. Quel parti politique, quel regroupement? Laissez-moi terminer d'abord. Je suis élu de la ville de Mweneditu, dans la province de Lomami. Lomami est une des trois provinces de Mambré, de l'ancien Kasaï oriental. Ouais. Je suis élu sur la liste
AAAC, plateforme FCC. Maintenant, je suis là parce que ma couleur, mon parti politique, c'est le peuple. Nous n'avons pas d'école chez nous. Nous n'avons pas de routes chez nous. L'érosion détruit tout. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas d'université viable. Nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vaut mieux continuer comme ça, qu'on achève les 2-3 ans qui nous restent là et qu'on, quand on arrive en 2023, on passe le bâton à d'autres personnes, ou bien nous devons faire quelque chose. C'est ce que j'ai choisi. Moi, j'ai décidé de passer parce que il faut absolument que les Congolais nous réveillent. Nous allons commencer, nous, vos députés. Nous sommes en train de nous réveiller et nous sommes déjà réveillés. Mais sachez que le train qui démarre maintenant, le train qui est en train de démarrer, c'est pour le décollage du pays. On n'est pas là pour faire le cinéma, pour faire le théâtre. Non, on est là parce qu'il faut appuyer la vision du chef de l'État, qui est la vision qui met le peuple en évidence, en avance, parce que le peuple, il souffre. Le peuple souffre. Vous êtes là, vous êtes tous des journalistes, parce qu'il n'y a pas d'autre travail à faire. Exactement. Oui, vous êtes journaliste avec un petit portable, ton téléphone de la poche, c'est ça ton outil, c'est ça ton équipement. Non, nous voulons quand même qu'un pays comme le nôtre ici, 100 millions d'habitants, un budget de 4 milliards et demi, on va faire quoi avec ça? C'est honteux. On va faire avec quoi? C'est pour cela. Laissez-nous, nous sommes en train de faire des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués. Vous ne nous avez jamais vu nous battre. Nous nous sommes battus, vous avez vu. Il y en a qui ont été blessés, il y en a qui ont été amenés à l'hôpital. Nous, nous sommes restés. Une cause noble. Mais il y a un blocage pour la nomination de l'informateur. Quel apport, vous, nos députés, nos envoyés, vous allez faire pour que l'informateur soit nommé si rapidement pour que le nouveau gouvernement arrive? Il faut connaître la Constitution. La guerre qui se passe ici, ce n'est pas une guerre pour renverser le bureau. Non. C'est une guerre pour remettre le pays sur le rail. Okay. Si on met un nouveau bureau, ce nouveau bureau va faire tomber le gouvernement. Si nous faisons tomber le gouvernement, c'est fini, on va nommer les formateurs. Où est le problème? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même quand les gens vont aller en justice, il faut qu'on donne le pied de la justice. Oui, ils sont là. Il passe ici le fisc pour la porte midi. Nous avons identifié que le doyen les deux Benjamin Honorable. Je n'avais pas trouvé solution. Tu es un directeur. Baba princesse. Tu as bien dans la peau pour attendre la carte là-bas. C'est ça le combat que nous avons mené. Je fais partie de ceux qui ont mené ce combat depuis le début de cette législature. Vous vous souvenez, à toutes les interviews, je disais que je n'ai jamais été d'accord avec la coalition parce qu'elle était diabolique. Je n'ai jamais été d'accord avec le fonctionnement de ces bureaux parce qu'il était acquis aux autorités morales et pas au peuple congolais. Et j'étais de ceux-là qui pensaient que cette majorité d'antan était une majorité contre le peuple et pas pour le peuple. Alors nous sommes en train de réécrire l'histoire de la République démocratique du Congo en instaurant une assemblée nationale acquise au peuple congolais et à l'avenir de la RDC. Non, mais vous allez installer... Hubert Fourguta, élu de Goma.
Merci beaucoup. Non, non, mais honorable, c'est que... honorable, pas des questions, on l'avait dit, pas des questions. Pourquoi? On n'a pas posé des questions. Allez, s'il vous plaît. Moi, je suis en train de se faire actualité. Donc, il y a un peu de monde. Jean-Marc Kaboul, le président, il y a plus de PES. Il y a un peu de monde. Il y a vraiment un peu de monde. Moi, je suis en actualité. Plus de 3500 personnes. Vous s'abonner massivement. Bah, vrai Congolais, tu en as pour ça 3000 abonnés la bisous, non. Vous avez 3000 personnes, tu en as pour ça 3000 abonnés. 3000 abonnés, vous avez 3000 personnes, 3000 abonnés, tu en as pour ça 3000 jeunes. Tu en as pour ça 3000 jeunes, 3000 jeunes, 3000 abonnés, vous s'abonner. Massivement, vous s'abonner massivement. Vous aimez, vous aimez, vous aimez. Voltaire avant. Combattant, continuez. Ils sont venus te porter une bonne affaire. Quelle est la galère?
Tous en apport ça va jeune Nabino, tous en vraiment apport ça va jeune Nabino, tous en apport ça va jeune. Va jeune Nabino. Avant lui, c'est Madame Aminata, qui est née au mois de mars. Donc le 2 ont 27 ans, conformément à notre règlement intérieur, automatiquement il remplace en toute élégance ceux qui étaient là. Et donc, désormais le bureau affiche complet. Il y a le doyen Bosso qui sera accompagné par l'honorable Aminata et notre jeune collègue Gaël Boussa. On vous souhaite bonne chance et on vous encourage pour la suite. Quand vous soutiens, c'est que je vous aime bien. Et quel âge sera pas. Donc nous demandons à la presse de recommuniquer et c'est réglementaire. Hein. Si on trouve un autre jeune homme moins âgé que le 2, il va remplacer. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, nous sommes ensemble, nous sommes vraiment ensemble. Merci vraiment pour votre fidélité, merci pour votre temps, merci pour votre volonté pour que notre pays, la République démocratique du Congo, devienne un jour les États-Unis d'Afrique, quoi.
La masse. Excusez-moi. Voilà, l'équipe est maintenant complète. Hey, ça va, hein? Oui, ça va bien. Okay. Les bureaux, ils sont. La femme. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que les reporters ont un problème de connexion. Nous allons continuer à fouiller. Comme vous le savez, depuis le matin, il y a eu les membres du FCC de Cash. Voilà, amis fidèles internautes. Là, on revient. On revient. Joe Mukwaya, comme vous le connaissez très bien, en direct sur ma chaîne Bakulu Masolo TV, où repose les vraies informations. Quant à moi, je vous dis, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakulu Masolo, tellement tout partagé. Bisonde Bakulu Masolo, tout fanina Masolo, bisonde tout bétaka Masolo, Masolo, ne vous marrez pas en bisonde. Voilà. Vous abonnez massivement, massivement. C'est votre humble serviteur, le journaliste près du peuple, Joe M. Kamukwaya. Vous s'abonnez massivement. Nous avons besoin de vos jeunes. Donc, nous avons besoin de vos jeunes. Maman Philou Mukwaya depuis Angleterre, ma soeur chérie. Côté ma diverse démo d'Angleterre. Maman Tété Zahou en France. Trois fois beau, c'est Junior Mabiala. Vous aimez, vous s'abonnez. Donc, ton kata direct, ma bisou, toujours kata direct, ma bisou, c'est pour vous. Depuis ton petit héros, donc pour charger téléphone, pour charger téléphone, vous pouvez s'abuser 30 à 40 minutes pour vous zonger la liste sur le. Donc en même temps, ce que c'est que nous avons tout ça, les lignes depuis ton petit support, s'abonner, Alain Chiboui, Mukwaya, Mobala Maritan Baki, Papa na Merdi, Papa na Jésus, s'abonner, Alvin Béa, le patron de la presse congolaise, Alvin Béa. Kobo Sanate Koyeme émission, Mike Lokamba, mon vieux, l'archevêque, Kobo Sanate Koyeme émission. Merci beaucoup, Toza Awa, on se retrouve tout à l'heure. Tous vos quatre élèves, auto chargé téléphone, on se retrouve tout à l'heure. Mon numéro est, soit qu'on a posé ma sujection, qu'on peut s'abuser. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons directement passer par un autre direct, parce que nous estimons que notre frère est Lobat. Nous allons prendre le direct de Ma Mission TV, il y a Africa Cool, qui sont aussi au Palais du Peuple. Mon rôle ici, c'est parce que nos amis, Batri Nabango, ils sont aussi là de temps en temps. Rôle Nabiso Ezali, évidemment, il y a Kozoa, direct Nabango, pour nous relayer. Comme ils l'ont dit, il faut vraiment partager parce que l'heure est grave au Congo, au pays maintenant. En tout cas, il faut Bozala et Bélé pour vous partager pour que Motonyoso et si Kavandi ayeba nini ezali koleka katikati na mboka tozoa Ma Mission TV oyo ezali en direct pour que to continue direct na biso. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous procédons d'entrée directe ici sur place. Il y a des comités nationaux déjà. Non, je fais le tour. Sur place. Là, nous sommes en train de voir l'honorable Délice Sanga qui est là. Ouais, c'est lui. Est-ce que c'est Délice Sanga? Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'ambiance qui se passe cet après-midi à Kinshasa. Donc le FCC et le Cash et alliés, disons ça comme ça, l'Union Sacrée, sont déterminés aujourd'hui
à passer ce plénière et que le secrétaire général de l'Assemblée puisse évidemment installer le nouveau bureau composé du plus âgé au moins âgé de l'Assemblée nationale. Donc, les choses continuent à se faire. Alors, pour ceux, comme on le dit, ça se prépare déjà là-bas. Je vous avais dit, c'est très important qu'on relaie l'information, d'autant plus que nos amis sont à court de batterie et à court de charge. Et c'est pourquoi on cherche. J'ai même vu le député, il y a beaucoup de députés, vous le voyez là, de députés nationaux qui sont là. Il y a mon vieux Don King qui est là aussi. En tout cas, il y a autant de députés. Nous continuons à faire des recherches, à voir quels sont les confrères et les consoeurs qui sont en direct à partir de Kinshasa, éventuellement pour vous balancer, vous donner l'information. Nous allons continuer évidemment avec cette information. Mon... Merci. Alors, là, alors, le bureau va s'installer. Les bureaux vont s'installer. Le plus loyal. Le plus âgé et le plus doyen est de Benjamin. Vous savez bien que Dans le cadre toujours de mon reportage, évidemment, grâce à nos confrères qui sont à Kinshasa, j'ai découvert des images de la population qui sont en train de s'acheminer ici au Palais du Peuple. En tout cas, il faut le dire, on va voir les images. Il y a de cela quelques minutes de la population. Ces images qui nous viennent toujours de notre frère Jean-Jacques Mbungani, qui lui aussi relaye un peu l'information. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, regardez un peu ces images. Ne partez pas, s'il vous plaît. On va essayer de suivre qu'est-ce qui se passe à Kinshasa. Voilà.
Donc là, c'est des images que je vous ai collectées, où on voit des... Est-ce que je peux appeler les partisans ou la population, en tout cas, qui se dirigent vers le Palais du Peuple pour appuyer les députés du cas de l'Union Sacrée. En tout cas, ils sont nombreux et sont en train de venir. On continue avec le direct au Palais du Peuple pour suivre ce qui se passe dans la salle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce on va installer le bureau, je dirais ça comme ça, provisoire, hein, en tout cas du plus âgé au plus jeune, pour cette plénière. Suivant en direct du Palais du Peuple. Vous allez assister à une plénière. La lumière, ça fait les contre-jours. Je crois que c'est le tournant de l'histoire. Aujourd'hui, une nouvelle page de l'histoire du Congo est en train de s'inscrire. Vous voyez que les députés sont vraiment déterminés. C'est que ça finisse aujourd'hui. Ça va se terminer aujourd'hui. Non, on ne peut pas finir avec le bureau Wabunda. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment du mépris aux députés. Il y a une pétition, au lieu qu'ils acceptent qu'elle se passe dans les règles, ils ont voulu utiliser des raccourcis malheureux et ridicules en tournant à bourrique les députés qui ont signé. Et vous comprenez aujourd'hui, avec la pièce qu'il y a, que les députés ont décidé de prendre les choses à main. Amen. Il y a six pétitions qui ont été adressées aux membres. La pétition de Nouwana, puisque les membres de l'opposition, il y a beaucoup de députés qui n'ont pas voulu la signer. Elle a obtenu 248 signatures. La pétition de Mabunda, 251 signatures. La pétition du rapporteur, 270 signatures. Donc les pétitions, chaque pétition, c'est une pétition individuelle, elle a les nombres, elle n'a pas les nombres égaux des pétitionnaires. Deux choses. D'abord, à partir d'aujourd'hui, le FCC, qui s'est toujours vanté à avoir la majorité, c'est terminé. Il n'y en a plus. Le bureau doit partir. Les trois, les chefs de l'État doivent prendre en compte la dynamique actuelle à l'Assemblée nationale pour pouvoir réqualifier la majorité. Alors voilà, les députés en train de remplir leur signature. Dans quelques instants, nous allons assister à une plénière hors Mabunda. Honorable, on vous suit en direct sur ma mission TV. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en fait de la journée d'aujourd'hui? Bon, merci beaucoup madame pour la question. Cette journée, c'est une journée réservée à l'installation du bureau provisoire qui va s'occuper tout simplement de l'examen de la pétition adressée aux membres de l'État. C'est l'unique mission confiée à ces bureaux. Et comment nous allons en fait, qui va présider si nous devons retenir quelqu'un? La plénière était convoquée par le secrétaire général. Et s'il n'est pas là, c'est lui qui vient directement après lui, préside la séance collective. Et vous avez déjà trouvé le doyen et le benjamin de l'Assemblée nationale et du Mouvement? Oui, nous avons trouvé le doyen et c'est le bien Bosso. En ce qui concerne le benjamin, nous avons eu 4 benjamin, mais on a trié les deux qui. Il y a la benjamin Nata et puis il y a notre collègue Doucet.
Ok, merci beaucoup. On peut dire que vous avez gagné déjà les combats? Ce n'est pas nous qui gagnons les combats, les combats appartiennent au peuple. Merci. Les partis au peuple, elle est gagnée, c'est tout. Merci. Ce que nous visons, c'est la libération de notre peuple. Merci beaucoup. Les noms, c'est le nom. On est au dialogue. On est au dialogue. C'est même toi les vieux. Les dieux petits par rapport à moi. Le doyen, c'est vous le doyen. Ça fonctionne encore cette histoire. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Mois de une année. Une année. Et vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui? On va faire la personne qui va faire la candidature. Donc la personne qui va faire la candidature. Voilà, je disais, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée d'aujourd'hui après tout ce mouvement qui s'est passé en tant que doyen? La journée d'aujourd'hui, je veux dire que c'est une bureau. Provisoire, un remplacement du bureau Mabunda qui a été destitué. Déjà destitué? Non, pas déjà destitué. Il y a une motion, on va analyser la motion, on est très sévère, un doyen d'âge plus de deux jeunes. Mais en bas, on va mettre sur pied un bureau de filles. Mais compte tenu le nombre de députés qui sont dans ce soir, parce que nous avons des partis. Concernant la séance d'aujourd'hui, ça ne va pas chercher de sorte que vous puissiez atteindre le quorum. Chercher comme le quorum, même les gens en train de dire, il y a plus de 300 députés dans la salle. Vous-même, vous avez vu. Vous êtes témoin. Vous voyez le nombre de députés là. Ça dépasse tout l'entendement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'était l'un des doyens de l'Assemblée nationale au nom de Donatien Kapombo. Honorable Donatien Kapombo, il a parlé. Nous allons assister à la première prière sans Madame Jeanine Mabunda. Nous allons assister à une plénière sans Madame Jeanine Mabunda et son bureau. Alors, la plénière sera présidée du doyen de l'Assemblée nationale, le plus doyen de l'Assemblée nationale, le plus doyen d'âge de l'Assemblée nationale et le de Benjamin. Voilà, on constate déjà la présence de la Benjamin. Donc, tout à l'heure, vous allez suivre le direct ici à l'Assemblée nationale de la première plénière sans Madame Chanel. J'étais souvent aussi
Honorable, Honorat est pas de limiter les dégâts. Honorable, oui. Honorable. Je demanderai à ceux qui nous regardent de partager en tout cas cette vidéo. Le temps pour nous d'écouter l'honorable Daniel Safou qui a quelque chose à demander sur la question de notre sœur de ma mission. Dans quelques instants. La pénurie aujourd'hui, elle est symbolique. C'est le nouveau paradis qui pratiquement nous conduit à la refondation de la nation. On se révise, c'est les combats des derniers, la réappropriation de la nation, la Colombo-Kabako-Sambo-Kanamoyo-Kabaki-Sabango-Yonaï. C'est ça mon idéologie. Je suis en face réellement de la réappropriation de la nation. Une conscience patriotique, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vite compris que chacun de nous avait des soucis, n'est-ce pas, de fonder la nation. Chacun de nous a les soucis de développer ce pays. Chacun de nous a le souci, n'est-ce pas, de la collectivité. Je ne dis pas l'effort d'un politique, pas d'un politicien, pour faire la part des choses. Tu sais qui faisait la part des choses entre un politicien et puis un politique. Un politique, c'est celui qui a le souci de la collectivité, communauté. Un politicien, il a les idées tournées vers le ventre. Vous vous accrochez à quelque chose, je ne sais pas. Ils ont l'Assemblée nationale, il y a IOT, il y a Batignon. Les dégâts sont libres. Donc la journée aujourd'hui, elle est symbolique, elle est aussi mystique, elle est aussi spirituelle. C'est une journée qui, par la symbolique, montre que le Congo ou les Congolais veulent poser les premiers pas. Nous n'avons jamais posé ces pas. Nous sommes sortis, n'est-ce pas, des idées claires et distinctes des pères fondateurs du Congo. Nous revenons maintenant. La question de savoir quelles sont les idées claires et distinctes des pères fondateurs du Congo. La création, la construction d'un État-nation. Donc la journée d'aujourd'hui, c'est le début du commencement dans l'intention de construire un Congo en tant que nation. Aujourd'hui, on peut se dire que vous avez gagné. La majorité, là, vous êtes journaliste. Si moi je le dis, je parle de ça. La majorité dans sa diversité. Vous verrez les vaillants députés du FCC qui ont tourné les dos de Spakingapati. Vous verrez même, il y a des députés de l'Essiné qui sont ici. Tous sont là. C'est une première extraordinaire. L'esprit de Tien Tshisekedi est descendu. Et cet esprit est parmi nous. Honorable, on nous apprend que le secrétaire général était suspendu par la ministre fonction publique. Votre réaction? Ces ministres-là, de la fonction publique, moi, sera limogé. S'il se donne la peine de suspendre, n'est-ce pas, le secrétaire général, qu'il sache que lui aussi sera limogé. Toute complicité sera dénoncée. Vous comprenez? Donc, les ministres continuent, n'est-ce pas, hein, à prêcher dans l'incompétence. Mais c'est l'intérimaire va nous aider. Donc les choses évoluent, si nous n'allons pas reculer, on n'a pas le temps. On a perdu 2 ans, on n'a plus le temps. Ces 3 ans ici, c'est bien calculé, c'est bien chronométré. Les 3 ans ici, en fait, c'est l'élan, c'est le dynamisme vers la refondation de la nation. Sacré. Yango ana papa, yomoro mama, yomoro sacré. Kuna, nous avons maquillé la mabogota. Nous avons réussi la mission de Fumukimbam, celle de défendre les sangs des innocents et les sangs des Congolais tombés dans l'injustice, dans l'innocence. J'ordonne ces sangs de réclamer vengeance. J'ordonne. Parce que nous avons reçu, monsieur, le Fumukimbang, c'est de défendre. C'est tous ceux qui sont tombés injustement. Les sangs des Congolais innocents. Chebeya, Rossi, tous ceux qui sont tombés. Ces sangs-là.
Les labyrinthes, n'est-ce pas, du plaisir. Donc tu veux démêler dans la jouissance. On y a quand même Dakala. On met la soupe à Ipokoda. On y a beaucoup à Soso, maman. Tika, Tika. Mais ça va sur le Kumu, maman. Moi, ça va monter le Kumu. Hein? Maman Maria. Abota Yesu. Mais maman, Tika, maman. Tika. Et si qu'on lit le télémi, papi si mi ma kiki, maman Tika, Tika, Italie, Tika. Maman, maman, tu sais. Bon, tu n'as pas maman ni en sort. On vient à mon égard la bino. Tika, Tika. A ta soupe, c'est la quelle lingue. Et si qu'on bat tout ma télémi, Tika, Tika, maman. Voilà l'honorable Daniel Safou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous regardez, en tout cas, partagez, parce que c'est un moment historique. Il y a l'un des députés qui a annoncé déjà qu'il y a plus de 300 députés dans la salle, en tout cas, aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien que vous partagiez, en tout cas, ce reportage. En coup de chapeau à Ma Mission TV, coup de chapeau à tous ceux qui sont en train de faire le direct là-bas. Je penserai ici à Rachel Kitsita, je penserai à Africa Cool, Bosolana Politique, à Christian Bossemé, en tout cas, à tous ces patriotes. Nous allons suivre l'interview de ce monsieur qui est juste devant. De qui s'agit-il? La journée d'aujourd'hui. Merci, madame. Nous sommes ici pour célébrer la première victoire du peuple congolais. Nous avons été des combattants de lutte, pas à l'UFS, pas dans un parti politique. Des combattants comme les Congolais, nous avons lutté pour délivrer notre pays. Honorable, il est en train d'interviewer. Il passe une interview honorable. Oui, nous avons lutté, c'est vrai, beaucoup de temps pour que le Congo avance. Et aujourd'hui, nous constatons que nous sommes en train de délivrer notre pays. Nous sommes en train de faire quitter les antivalères. Nous sommes en train d'installer l'état de droit dans notre pays. Alors, aujourd'hui, nous sommes contents, très contents, de voir que le bureau est en train de s'installer avec le loyer d'âge, plus les deux benjamins, pour montrer au monde entier que nous ne sommes plus avec Mme Mabunda, l'honorable Mabunda. Donc, je suis très content de voir tout le monde, tous les députés, de tous les partis politiques et regroupements ensemble pour délivrer notre pays dans les mains de celui qui ne voulait pas faire avancer les choses. On peut se dire que le quorum est atteint? Oui. Toi-même, tu es là, tu es en train de faire. Comment constater, honorable? Nous avons des listes ouais. Qui prouvent que nous sommes d'ailleurs à 270 okay. députés. Donc le quorum est atteint et nous attendons seulement le secrétaire. Pas plus tard qu'un jour, vous étiez au nombre, pas plus tard que deux jours, vous êtes au nombre de 264. Oui. Et qu'est-ce qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez au nombre de 270? Oui, ça c'est les Congolais conscients. Ils ont compris que notre problème, c'est le Congo.
nous n'avons pas d'autre problème que le Congo. C'est notre point commun, c'est notre patrimoine et ils ont accepté de revenir à la raison pour augmenter aussi le nombre de Voilà, nous assistons à l'arrivée de l'honorable Jean-Marc Kabound, qu'on a vu dans le collimateur aujourd'hui en tout cas, avec tout ce qui s'est passé ce matin. Là, apparemment, il a encore changé, il est revenu dans la salle. Nous continuons à suivre le direct. Je vous annonce qu'il y a déjà beaucoup de caméras qui sont en direct de temps en temps par rapport à l'image. Quand la plénière va commencer, nous allons essayer de prendre des belles images. Je crois que ma consoeur de Ma Mission TV a un petit problème de connexion, mais pour le moment ça nous aide et nous continuons ce direct que je demande à beaucoup de partager s'il vous plaît, parce que c'est un moment vraiment historique pour notre pays. Les députés que nous sommes, ils ont séquestré le secrétaire général et nous avons tout fait, nous avons permis à ce que nous soyons réglés, nous soyons retournés dans les règles. Maintenant là, d'un peu de temps, on va installer les nouveaux bureaux et nous ne sommes pas parmi les lâches des gens qui veulent rester derrière. Les bureaux pour les gens vont être installés et nous allons tout droit jusqu'au vote. La Bunda et son bureau vont d'un peu de temps tomber. Vous pouvez nous rappeler votre parti honorable? Et moi, c'est honorable Paul Mouindo, derrière ce Vous êtes du FCC? Je ne suis pas du FCC, moi. Je suis Belamouka. Ah, Belamouka, oui. Thank you.
Vous étiez en train de me poser la question concernant l'honorable Christelle Vuanga. Elle vient de faire son entrée. Vous êtes en train de me poser la question en direct de savoir si madame Christelle Vuanga, l'honorable, était prête. Et voilà, elle vient d'arriver. Honorable Christelle Vuanga est là. Donc, elle signe sa présence. C'est plusieurs listes, vous voyez là. 278. Maintenant, 268. Honorable, 200 combien? 268 députés. Alors, honorable Christelle Vuanga, on vous suit en direct. Beaucoup de gens sont en train de poser la question concernant votre présence. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée d'aujourd'hui, honorable? Le masque. Je suis contente aujourd'hui que beaucoup de gens comprennent enfin que rendez-vous au sommet. On disait que la coalition ne va pas marcher, que les intérêts sont différents. Et c'est aujourd'hui qu'on comprenne. On n'était pas aimés, on n'était pas jaloux, on était juste nationalistes et patriotes. On savait voir de loin qui ne pouvait jamais cohabiter avec ces gens-là. Ils ne pouvaient jamais cohabiter avec les gens qui ont soif du pouvoir, qui veulent toujours avoir tout. C'est un moment fort, excusez-moi, je viens de faire mon examen, je suis en train de faire mes examens. Enfin, vous voulez se mettre. Oui. Il n'y a pas de problème, honorable. Vous pouvez s'asseoir. Merci. L'honorable Christelle Vuanga. Voilà. Vous l'avez vu. La moindre de choses à tous ceux qui sont en train de nous regarder, les députés sont en train de montrer qui sont en union sacrée, les journalistes sont en train de faire leur travail, la moindre de choses, c'est de partager cette vidéo qui est vraiment très, très significative pour la suite et l'avenir de notre pays. Mais je vois que les gens sont en train de regarder. Si c'était des dossiers à la moutakalisation, je crois qu'il y aurait eu plus de 10 000 personnes en train de regarder. Je vous dis que ce moment est vraiment historique. Il faut partager, ne restez pas comme ça en train de regarder, partager pour que tout Congolais qui peut nous suivre ici. Parce qu'il faut le dire que je regardais, la plupart de chaînes ne diffusent pas ça, la RTNC ne diffuse pas et beaucoup de chaînes sur Facebook ne le diffusent pas. Alors je vous demande de partager et abonnez-vous s'il vous plaît. Tout à l'heure au plateau, mais je suis venue ici.
informer en nombre réel. Merci à vous, fidèles, à vous. Voilà, maintenant mon rôle que je suis en train de faire, vous allez maintenant comprendre le rôle de Saint-Marc, tabou, c'est éventuellement de faire ça pour que ceux qui nous regardent ne partent pas parce qu'on a un autre signal, en tout cas de direct, il y a quelqu'un qui est encore en direct. Je vous avais dit que nos frères qui sont là-bas sont, n'ont pas assez de batterie et de temps en temps le Saint-Marc relaye le direct, et nous, ici, de la diaspora, nous sommes connectés. Allez, on continue de suivre et partager, s'il vous plaît. Partagez, on suit l'autre signal. Voilà, il y a notre confrère aussi qui est en train de pleurnicher déjà qu'il a 3% de batterie. Voilà, c'est comme ça. Les batteries sont presque finies. À tous ceux qui sont à la plénière, moi je leur demanderai d'attendre le début de la plénière, en tout cas pour éventuellement nous mettre encore en direct. Voilà. Voilà, le problème c'est ça. La plupart de nos confrères sont à low bat, ils n'ont pas assez de batterie en tout cas. C'est comme ça, donc il nous est difficile de continuer le direct, mais on continue. Il y a notre confrère qui est en train de supplier. On voit notre soeur de Mamission TV qui n'a plus assez de batterie, qui doit charger. Et tout, et voilà. Continuez à partager et abonnez-vous. Appuyez aussi le cloche de notification, d'autant plus que quand nous allons revenir évidemment pour l'installation du bureau du plus âgé et du plus jeune de l'ensemble par le secret, disons par le la plénière et le secrétaire général ou l'adjoint du secrétaire général, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, que vous soyez nombreux. Donc abonnez-vous, appuyez le cloche de notification pour être vraiment à la pointe de l'information. Voilà, on va continuer avec les 3% qui nous restent à notre frère. Chef. Vous en avez un câble. Câble, Android. Moi, c'est un câble. Câble. Android. Android. Non, ok, non, ok. Je jure, non, ok. Pardon, parce que R et Kata. 3%. Table les habillantes. 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 Vraiment, on a fait ça.
Vous êtes quoi? Est-ce que c'est efficace? C'est efficace. Je suis chargé. 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 Je suis Et ça, tu n'en penses pas. Hein? Et ça va bientôt. Il est beau. Il est chargé, mais. Excellent. Excellent. Tu es chargé tout de suite. Voilà, tu vas les en charger. Ils ont un carnet à charger. Ouais, on est quand même à charger. Il y a un rendez-vous en haut. Ils ont chargé non, mais ils ont quitté sa charge. Pendant que nos amis sont en train de charger, nous allons revenir un peu à l'actualité pour ceux qui viennent rentrer sur notre page. Nous allons aller sur Facebook et voir notre consoeur Rachel qui a commencé, il faut le dire, les hostilités le matin. C'est grâce à Rachel que nous avons eu cette information. Voilà, on va aller chez... Rachel qui cite Andongo, Rachel, qui est vraiment une femme très forte. On vous avait vu en tout cas ce qui s'est passé le matin. Il y a eu trouble et qu'on sort et tout. Et voilà. Et après, il y a eu, on a forcé la porte par les députés. Voilà. Là, c'est quand les députés de l'Union Sacrée ont forcé la porte pour entrer et commencer ce qu'ils sont en train de faire maintenant. On va encore revenir un peu sur la vidéo. Pendant que nos confrères et nos consoeurs sont en train de charger les batteries. Voilà ce qui s'est passé. Donc pour siéger aujourd'hui, nos députés ont dû forcer, parce que je vois forcer vraiment la porte de la salle. Et ensuite, nous sommes venus à l'interview à l'intérieur de la salle que notre sœur a donnée à un député. Nous allons suivre. Nous allons suivre. Sans membres de l'administration. C'est solennel, nous sommes au sein de l'Assemblée nationale dans la salle des spectacles parce qu'hier, la sonnant de la salle de la salle de congrès est en panne et les choses se passent conformément à notre règlement intérieur à son article 31. Les doyens d'âge est là, suivi du Benjamin et de la Benjamine pour parler. Étant donné que tous les signataires de la pétition et les autres qui nous ont rejoints,
décorum de décision atteint, eh bien, nous allons vivre en direct l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Quand vous dites en direct, c'est-à-dire? En direct de la RTNC. La cérémonie, elle est publique. Mais il n'y a pas de carte de reportage. Les cartes de reportage viennent d'arriver. Et l'administration? L'administration est là, madame. La suspension du directeur général ne chasse pas tous les personnels administratifs. Du secrétaire général. Vous le savez. Il faut lire notre règlement intérieur. Merci. Les choses se passent conformément à notre règlement intérieur de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci. Si, si. Toujours dans le cadre de nous occuper, on a parlé de car de la RTNC. Sachez que le car de le matériel de la RTNC est déjà sur place. Voici la preuve du matériel de la RTNC. Voilà, comme vous l'avez vu, la RTNC est sur place. Donc nous allons encore revenir chez nos amis qui sont au Palais du Peuple pour voir qui est en direct. S'il n'y a personne en direct, nous allons effectivement... voilà, il y a une première pour Bossolona Politique. On va suivre Bossolona Politique. Et puis, c'est sur la destitution qu'on est en train de parler. Et ensuite, nous allons revenir pour le direct. Donc, je ne veux pas interrompre ce direct. Restez branchés jusqu'à ce que nous allons suivre la suite des événements. Suivons Bossolona Direct, Bossolona Politique, qui a tourné une émission tout à l'heure. C'est sur la destitution de Jeannine Mabunda. Et nous allons revenir. Imbécilité. Être neutre, c'est choisir les camps de l'oppresseur. Parce qu'à la fin, on ne parlera pas, il y a modèle nini, bah méchant, bah zalaki, bah koloba, silence, bah juste zakiwab. Moi, j'ai toujours défendu la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est de dire que, bah oppresseur, bah kanibiso nombokao, pendant plus de 20 ans, bah sali et l'autre côté, ils ont détruit complètement les tissus sociaux, bah détruire complètement cerveau et abattoir, et bah déstructurer de manière la vie comme on a makam. Devant ça, il n'y a pas de neutralité. Il faut rétablir la vérité. Bato balobi que Liboso n'a qui neutre, t'es n'a qui neutre, t'es. Liboso n'a qui contre le régime de Kabila. J'ai jamais changé les côtés. Et n'a qui contre le régime de Kabila. Et mes points de vue, et ben, n'est qu'au d'anana point de vue opposition. On était ensemble dans nos idées de libérer le pays. C'était ça la logique. Bouquet en opposition, bouquet élection, pour gagner élection. Ok. Une partie opposition, bah, du pouvoir. Tout ce que j'avais dit au début. Mais ils disent ça aujourd'hui, bah, tout, comme il est là. Bah, tout, la même chose. J'ai posé une simple question à Israël. Et c'est ça, simple. Moi, nana yo a bébé, Yohan, à Zanakati Andako. Nyo ka kote li Yohan Nandako.
Sika yofo bimisa nyoka to yoan na katia ndako. Oko salani, to na deux possibilités. Soit tu mina comme bimba, soit tu tiens milinga nyoka bimi, ou garder moi na ndako. Nous, nous avons choisi l'hypothèse, il y a qu'on garder le mal, le moindre mal, ou qu'on s'est un dérangement. Parce que, na, autre que d'acquis élections, j'avais dit à tout le monde, n'allez pas aux élections, et si m'batté. Ils sont partis quand aux élections. Une partie de l'opposition a gagné. Je veux faire quoi? N'a détruire parti ou non, alors que t'as bondé la qui en gros? Non. On a deux piliers. Kabila est tombé. Maintenant, il faut faire partir le système de Kabila. Et je le disais avant que le système va partir. Aujourd'hui, nous sommes au plein, dans un dans centre, il y a départ, il y a Kabili Wana. Alors, on a peine à le bakar qui est neutre. T'es na neutre, t'es. Yoza parents. Au côté de moi, moi si. Balingi va violer, yé. Na copain, na yé. Tout le monde a l'ingal, na l'ikangu, na yé. Yo papa, ou le bani. Va violer, pour yomou, yomou, keno, l'ingal, l'ikangu, na ba violer, t'es. Moi, un père responsable, je prendrai mon enfant, na zongi se nanda, ceux qui n'ont pas été la bêtise, kuna. Ceux qui n'ont pas salé ma bé, n'ont pas salé ma bé, et pas nanga nanda, mais d'abord, on a récupéré moi, nanga. Le problème était que le pays était dans une situation, il fallait d'abord les récupérer. Entre les mains de ceux qui ne savaient pas servir ce pays. On a fait ça. Et puis après, on continue. Le plus important, c'est que moi, je n'ai jamais changé, même avec Félix Tshisekedi, président de la République. C'est lui qui rejoint ma position. On a tous la même logique, la même bataille, le même combat. Jour président Félix Tshisekedi a un combat nabiso. Moi je resterai là. On a bougé dans l'antique la gawana. Parce que combat n'est un combat alternance. Tu as dit première alternance c'est Kabila qui. Tant qu'on parlera Congo, que Biff et Fautou sont totalement libérés, totalement affranchis, totalement indépendants, la terme d'esprit. Tout celui qui porte le discours, on est ensemble. Mais ceux qui ont dit que le discours, il faut dormir. Il faut aller s'engager ici, m'batté. Donc, il faudrait qu'il y ait pas de basse chose. Donc, aujourd'hui, tu confirmes que vous servir un camp politique. Non, je ne peux pas servir un camp politique. C'est le plutôt camp politique. Moi, quand ils ont balle à la nama kabo dans Zoloba. Comme avant, ils ont connu Kouba dans Zoloba. Et automatiquement, on mitiki, on commis Moutouna Bango. T'es la mitikité. Bangonde, bah, dans la logique, la biso. En fait, le problème, c'est que Moutoumoko t'a quand il la paternité à Congo. Ce pays, on va les libérer. Mais, et l'okomoko. Bino Batou critiquaka. C'est bien de critiquer. Mais vous proposez quoi? Parce qu'on est un intellectuel inachevé. Un intellectuel achevé, ce n'est pas celui qui critique à la longueur de journée dans Twitter, dans Facebook et puis aux Alibanambouk. Non. Un intellectuel, il y a solo, a participé. Alors, bien, Félix Tshisekedi dit, ah, Osali Mabé, mais t'as là où il y en a bien. Même moi, à l'époque de Kabila, les gens se posent des questions. Comment j'ai fait 12 ans, sous le Tchéata Wakin, 8 ans, dans ce cas-là, jamais qu'on a une interpellation dans la justice. Jamais, même pas une seule fois. Je n'ai jamais été arrêté, jamais été interpellé. Pas parce que j'ai fort, non. Mais parce que j'essaye de mettre ma limite dans ma rambouna au loba. Et quand je critique, je propose. On a critiqué Félix, ce qui est dans la longueur de journée. Mais je propose. Monsieur le Président. Ah, il t'arrive aussi de critiquer le chef de l'État? Beaucoup d'ailleurs. C'est ça même mon but. Un intellectuel, c'est véritablement un critiqueur. Mais qui propose? C'est quoi la différence? On va critiquer parce que c'est très facile de critiquer. Même n'importe qui peut critiquer. Il va y avoir trois sortes de bateaux. Bateau va faire un constat. Bateau va poser la question. Bateau va répondre à la question. Le Congo n'a pas beaucoup de gens qui répondent aux questions. Le Congo a beaucoup de gens qui font des constats, beaucoup de gens qui posent des questions, mais peu sont capables de répondre à la question. Le Congo va mal. C'est quoi la réponse? Ce n'est pas Félix Tshisekedi a gagné les élections ou n'a pas gagné les élections. Ce n'est pas la crise des sorties des Fayulu. Ce n'est pas Kabila qui est là. Non, la réponse c'est quoi? La réponse c'est d'instaurer un état de droit. La réponse c'est de mettre le peuple au centre de tout. La réponse c'est la refondation de l'État. C'est que tant que nous avons place ni mouton dans un camp, il y a côté mon corps, tout à côté mon souci. Très bien, on va évoluer. Christian Bossembe, on va prendre maintenant la thématique aux alagis prévues. On va récupérer l'analyse et le discours à chef de l'État. Et bandel nango za la consultation. Moko nzia mboka bengi batonyo so ba ya ba sangana. Na kati wana to muni na kote ya la muka Jean-Pierre Bemba, to muni Moïse Katumbi bango ba ye, ba yokimbela moko nzia mboka. Kasi Martin Fayulu n'est pas venu, Joseph Kabila pa yete. En quoi ba consulter mususu po na bango likambo wana ya consultation po isi ba fallait impérativement ou nécessairement présence ya Kabila et puis ya Fayulu. Ce qui bango bazate c'est que le président Bossa a la consultation et vous avez un crédit mon côté. Et puis, schéma, vous avez un salaté. Si je suis en train de dire, malgré, je cite ici même, la juive référence, Olengankoy, qui avait proposé qu'il faut dialoguer à la triangle, le président Yoki a voté. Donc là, je suis en train de dire, avant tout, tu as un cas, tu as une question de forme,
quand tu as suivi les discours et les chefs de l'État sur le plan et la forme, quelle était ta réaction? Je veux dire quelque chose qui va choquer Batebele. Il faut que nous avons bato. Ce pays n'appartient pas à Kabila. Ce pays n'appartient pas à Fayulu, n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Ce pays appartient à ceux qui sont morts pour Nambokaoyo, ceux qui vivent pour Nambokaoyo, ceux qui vivront demain pour Nambokaoyo. Il faut arrêter de comprendre, de faire comprendre que Kabila va symbole, il y a démocratie en Bokanabiso. Non, Kabila n'est pas le symbole de notre pays, à symbole T. Aucun individu n'est le symbole de ce pays. C'est le président de la République en vertu de l'article 69 de la Constitution. Je n'invente pas. Lui, le président, comme institution, c'est lui le symbole de l'unité nationale. Alors, il ne faudrait pas tout créer Mboka Moko ou Bala trois dirigeants, tout quatre dirigeants. Non, ce pays a un seul chef, c'est Félix Tshisekedi. Kabila n'est pas le chef de ce pays. Fayulu n'est pas le chef de ce pays. Mozuto n'est pas le chef de ce pays. Bazali, acteur politique, tantôt majeur, tantôt mineur. Mais Félix Tshisekedi n'est pas un acteur politique Yamboka. C'est un président de la République, gage de l'unité nationale et symbole de la nation. C'est une des choses que vous devez savoir. Alors quand un monsieur se réveille un matin et dit que non, pour les consultations Simba, il faut président Koutanana, Félix Tshisekedi, c'est de l'aberration. Le rôle du chef de l'État, c'est d'être là et dire, venez aux consultations, je vous invite. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Donc, les consultations du chef de l'État, appelées par lui-même, parce qu'il était le seul juge, il y a importance, il y a consultation. Le chef de l'État a monié Moko, a apprécié que peuple congolais, Balingi Alliance, n'a eu un Kabilaté. Bazo rappelé, ne diaspora Baboui. Congolais paix à Boui. Balingi, alliance Wanate. Batou Balingi va célébrer constitution. Mais laisse-moi te dire une vérité, Israël. Problème est outil Wanate. Problème est que tout ça a deux camps dans Mbokao. Quand il y a bateau Balingi, accord, Ezala, n'a quand il y a bateau Balingi, constitution Ezala. Mais je veux t'expliquer dans Katina Oling Ezali. Bateau Balingi, accord Ezala, Bazo Lingani exactement. Bateau Balingi, accord, c'est-à-dire bateau FCC, Balingi Nini en clair. Bateau FCC, Balingi Boui. Balingi qui est chef de l'État na Félix Tshisekedi, pardon à Joseph Kabila, ba kabola ba magistrat. Balingi ba kabola ba soldat. Ba kabola ba policier, ba kabola ba agent et entreprise publique. Eloko bango balingi yangoana. Quand il parle de respect accord, n'entendez rien d'autre. Pour la bango d'ali bo kaboli bo ya bo konzi. Oh, chef de l'État lobi boué. Non. Ko kabola bo konzi, tokokyo kabola bo konzi, kaka na ba ministère. Mais tu as dit que tu as étali le pouvoir régalier en Mboka. Tu as dit que tu as la police, parce que la police est allée républicaine. L'armée est allée républicaine. L'administration publique, il faut la républicaine. Et quand tu as l'administration publique, en termes de politique, tu as dit que tu as dit que tu as dit Félix Tshisekedi a dit la constitution. Bango as dit que accord. Voilà pourquoi FCC. Na ba propos na ba union ces alli respect accord ba ko ko le ba constitution té po ba ko ko tala ngona mi sauté. Si cette constitution était une femme modèle ba violé ngo ata mo ko e nga bon ki sa ngote. Ils ont systématiquement violé la constitution, que ils ont honte aujourd'hui de regarder cette constitution. Tala ta professeur Némi Mulanya, pour qui j'ai beaucoup de respect, quand il parle de la constitution, il baisse ses yeux. Ayebi ki makamba sala na constitution so ki ta ki koloba. En tout cas tonga to fanda bisonyo sauté na mboka o. Parce qu'ils l'ont non seulement tué, étranglé, asphyxié, ils l'ont mis à terre. Mais motomo quand le biter, biso to tombe la carte constitution eux. Et yangone ko kabola biso bango baboyi bongo. Voilà le débat là où il se trouve banamboka ba c'est par piété. Ce discours est interpellateur. Rassembleur, menaçant. Non, babenda saka ba miibi. Yo se gagne de motolobi Israël. O tout a koyi ba to kanga yo ko banga ta koyi ba kate. Bateau moni madame menacé ça bateau pour se retrouver dans bambe bawana pour discours à chef de l'État et bimi si rapport à mapping discours à chef de l'État et bimi si ba crime économique na ba crime de sang discours à chef de l'État et singi na Nations Unies Angleterre Allemagne communauté internationale ba fungola ba dossier nyonso bango ba yebi contre bateau ba ibaka awa discours à chef de l'État ngo wana c'est un peu comme pour dire le chef de l'État lobby que coalition d'ali prime à la délinquance té coalition d'ali permission à la bêtise té ça veut dire on est coalié pour gérer le pays, pour résoudre le problème des Congolais. On n'est pas alliés pour battre la main, tout bombardement, mais il y a tout ça là.
Vous ne pouvez pas, Israël, vivre dans un pays comme le nôtre. Au motomoko, bakufuta 680 000 $. Nous avons des motomoussous, nous avons 1 500 francs. Les jeunes Congolais ont 4 500 pour les bongote. Mais motomoko a vendu à 680 000 $ à Katan Kelete. À Katan Mabete, à Katan Ififi Kite. Mais Azul dit quand même bongo, un bon modèle. Est-ce que vous imaginez un modèle? Vous imaginez un pays où l'Assemblée nationale et le Sénat accordent l'impunité à vie à un homme? Balanda été, Bakanga été, Batuna été, Lokomogote. Donc, Motouana Bimi, Libanda Mbouk. Donc, c'est-à-dire, il y a des colonnes de Kognos. On appelle ça Balobate. Balobate, Mboka, on bateau, Badali, plus riche que l'État. Mboka, on va fermer la publique, et Zalakate. Mboka, on parc public, et Zalakate, mais le parc, on va fermer la bâtonne, et c'est une république des fermiers, où tout le monde a des fermes. Alors, tout le monde a fait un modèle en Mboka, Mboka, on va trop, on va 200 000 $, 400 000 $, donc on est transco. Tu as difficulté dans le transport. Ba maman a mis sur le gouvernement, sur le télémine, sur le plus de 500. Il faut que le bus. L'obé l'ambulance, même dans l'hôpital, l'ambulance, c'est ça. Est-ce que tu imagines avec 600, avec 680 000 par an, ça veut dire, dans deux ans, ça dit 16 millions. Mais 16 millions, c'est tous les, ça dit, tous les quartiers ont des ambulances. Tous les quartiers ont des instincteurs. 16 millions de dollars, on est créé. Chalutier pour le bateau de pêche. Combien de ports? Est-ce que y a en Rwanda, il y a une entreprise, il y a or, avec 5 millions. Dans le Nigeria, entreprise, il y a tomate, avec 5 millions. Bissot, il y a 16 millions. Dans le monde, pendant 2 ans, il y a un maïs modèle. C'est quoi cette affaire? Tu continues, Bongo? Très bien. Bongo, il y a deux présidents? Non, mais il fallait à un moment donné arrêter ça. Très bien. Et le chef de l'État a mis terme à Yango. Alors, Sikoyo, il y a le discours rassembleur, mais ce discours-là, n'est pas un bateau. Pas un bateau, na minito yo. Et ça, na bateau, yo. Na moni même, motomoro, na sac. Azo tambola. Aza na motuka, mais aza sou na sac. Na kati a sac, eza mungwa, e kaebo a pembe, et puis eza na maïs. Ça dit, soka le mouke a melipo. Tension, après discours à chef de l'État, eza kabo. A sombi tension, maître et asika. Na moni na bokasao. Aza pe politicien, wata mou nene boue. Alors, tu as dit que 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 tu Mukunza mboka lobeli ba point belé kasi na okabatala msuka 4 points na 4 ya discours. Alobeli likambuya informateur. Mukunza mboka jumokan. Alobeli makambuya coalition FCC cage et Koufi. Tina ngoze chute. Mukunza mboka lobeli makambuya tribunal international. Oui ko sa ma. Mukunza mboka lobi makambo ya dissolution ya ensemble. Ndesko ba mela ba biloko ara. Nazoza sko 4. Mani makaye bona. Ila pona. Ila ndepo nango. Pona biloko. Na ibaki te mtu bisingai. Pona 4 points wana. Siko to bana nano point ya liboso. Na ko tangela yo tweet ya Adolphe Muzito. E ko sale sa yo. Adolphe Muzito az acteur politique monene na mboka na biso. Az acteur politique. Az acteur politique. Yo ka Adolphe Muzito nanga komi. On nomme un informateur ou réponse azo expliquer na chef de l'État. On nomme un informateur quand il n'y a pas de gouvernement en place. C'est la leçon qu'on donne au chef de l'État. Ou quand le gouvernement en place tombe, Monsieur le Président, et le gouvernement Ilunkamba tombera quand ce dernier démissionnera. Et s'il démissionne, c'est que Kabila est d'accord. Et s'il est d'accord, c'est que le deal Fachi Kabila continue. Voilà le béni comme informateur. La grande question que je te pose par rapport à ça. Par quel mécanisme, tout ce qui est point par point, que le coalition, par quel mécanisme juridique ou constitutionnel, si vous voulez, le président peut-il nommer un informateur alors que Pepe Ilunkamba n'a pas encore démissionné? Alors on va d'abord prendre l'audience. Il y a Ilunkamba qui était parti voir le chef de l'État. On suit en image, on revient pour que tu abordes la question. Il n'y a pas de problème. Monsieur Muyoko, audience premier ministre chez le président de la République, on revient, Christian Bossembe va démystifier la Constitution pour nous montrer noir sur blanc par quel mécanisme constitutionnel le président peut-il nommer l'informateur sans que le gouvernement écoute, alors que le premier ministre n'a pas démissionné. En image, et puis on se retrouve après.
Avec une farde portée en bandoulière, le premier ministre du gouvernement des coalitions est arrivé seul en fin d'après-midi, ce lundi 7 décembre, à la Cité de l'Union africaine. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une entrevue d'une heure avec le chef de l'État. Les deux personnalités ont échangé seul à seul en l'absence des collaborateurs de part et d'autre. À l'issue de cette audience que le président de la République a bien voulu accorder au premier ministre qu'il a nommé en mai 2019, rien n'a donc filtré. Avare des mots, comme dans ses habitudes, le premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Le président de la République me reçoit tout souvent ici. Ce n'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous. Ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours... Sans commentaire. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la Nation, au cours de laquelle il a retiré sa confiance au gouvernement pour insuffisance des résultats, l'on croit savoir que les conséquences politiques de ces constats d'échec ont été au centre. Dembe. Oui. Vous avez la parole. Alors, Nathan Normal pour nous nommer. D'abord, il faut répondre à Twitter Mouzi Toto la question. Non, question Nangaï, puis à Twitter Mouzi Toto. Mouzi Toto, il y a quoi argumenter pour nous laissons à Zopé sa chef de l'État. Nous avons encore l'argument, mais répondez à la question. Si vous balayez les deux, vous êtes libre. Il n'y a pas de problème. Alors, tout le monde dit un principe d'abord, parce qu'il faut d'abord qu'on énonce le principe. Le principe est cristallisé dans l'article 78 de la Constitution. Alinéa Nangouzali, si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier la coalition. Démarche Oyo, et ça démarche mon côté, n'a démarche à premier ministre. Ça n'a pas la même, ça, et ça le mon côté. Démarche au président, ça n'a bien en d'autres termes, identification de la majorité parlementaire. Donc c'est une démarche parlementaire et outil, et pas un président vers le Parlement. Pour nous identifier. Il a tout le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce que lorsque Boutine avait élection, ma parti politique, le coup, la Yangonde Zalaka, ma acteur, selon l'article 6 de la Constitution, baza ma unique acteur, Yangosala, élection. Bien que Donald Trump a bouillé, il faut que mon parti politique Moko, je ne parle pas des regroupements, parti politique Moko, a une majorité parlementaire. Ce qui député, un parti politique Moko, a eu 250 plus 1 député, ça veut dire qu'il va constituer majorité parlementaire. Israël Mutombo, parti politique, regroupement T. Sikoyo, est-ce que dans un moment Oyo, il y a un parti politique qui a obtenu la majorité? Non. Ce qui va obtenir majorité T, la loi d'article 78 de lobby, ce qui parti beaucoup a eu majorité T, Bakosa la Obabengaka, coalition parlementaire au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, ma parti politique va se regrouper. Dans un regroupement, justement, il y a un regroupement pour que la coalition ait sa majorité parlementaire et nous constatons que dans ce cas, c'est le chef de l'État en nommant un informateur. Si le FCC cache, et ça exactement, c'est un vide. FCC cache est une fiction. Ça n'a jamais existé en droit. Pour la FCC, avant la personnalité juridique, cache peut le ringer mon côté. Donc, il y a un député à mon côté. Cache à la députée, FCC la députée, la Mouka la députée. Bateau, bah, bah, député, et Zali, bah, parti politique, le roi. PRD, IDPS, MLC. Bande, bah, bah, SID, ensemble. Oui. Bande, bah, bah, député. D'ailleurs, même, en vertu de l'article 6, même, bah, regroupement est dans la sens Nangote. Il y a eu une fraude dans la loi électorale. Où est composé qui, bango, bah, regroupement, bah, dans la capacité de siège. C'est vrai que nous trouvons dans l'article 101, mais il y a encore une fraude là-bas. Parce que l'article 6 de la Constitution est dans le bac. Quand un parti politique n'est pas droit, et vous en avez député et non pas regroupement. C'est vrai, c'est un débat d'école quand on va parler de l'article 101. Mais le débat là est en place aussi. Alors, le président a vu qu'on a nommé informateur combien de fois ou quand? La loi ne détermine pas quand il faut le faire. La loi détermine seulement lorsque majorité est athée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on est en plein pied. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le PPRD n'est pas majoritaire. L'UDPS n'est pas majoritaire. Alors, le quoi la majorité est athée? Le quoi la majorité est qui FCC n'a cash? Bangoumbalé, Bayo Kanité.
Ça veut dire qu'il y a un doute. Dans le chef du président, doute est commis. Et la Constitution lui dit, comme il y a doute, hein, va te certifier à nommer un informateur. Mais le gouvernement, c'est une autre démarche. Monsieur Mozito, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais Monsieur Mozito est ignorant sur la question de droit. Aïe bien voté. Avant le Falabenga Steve qui voit à tout naïe. To Blanchard Mongomba, à tout n'avons lobby, est-ce que Makonanye l'obéit à solo? Pour Makamba lobby, et dans un niveau hérésité. Makambo lobby est dans un niveau absence intellectuelle. Tu vois un peu? Parce que quelqu'un qui fait les hérésies, c'est qu'il a quand même compris. Mais oh, il est dans un niveau d'absence. Donc monsieur ne comprend même pas que un informateur et le gouvernement, c'est pas la même chose. Il comprend pas qu'il est à côté de mon côté. Donc monsieur, a dit qu'on a bien économie, ou à celle-là, monologue, ou bah oh. Donc le monsieur est dans une perte totale. Donc ce n'est pas un exemple à vous soulever. Le premier ministre, la démarche du premier ministre est tout autre. Israël. Je veux dire ceci. Il ne faut pas comprendre le comment. C'est-à-dire que État et Kambamaganaba voyouté et Kambamaganaba bandité. Le droit constitutionnel est un droit à la personne civilisée. La constitution tenait le président révoque, on ne dit pas ça dans la constitution. La constitution, on utilise des termes de courtoisie, des termes d'élégance. Le président de la République met sa confiance dans le premier ministre Moko. Du moment où il y a rupture de confiance, le premier ministre doit démissionner de lui-même. Voilà pourquoi l'article O, article, je crois, 78 toujours, Balobi, le président de la République nomme le premier ministre. Babi nomme le premier ministre. Ce que Bartho Bakobet a vu dans la cohabitation, il trouve ça où, la cohabitation? Parce que pour que la cohabitation soit là, il faut que le président nomme. Le président nomme, de sauter. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui de la démission. Ça veut dire que la mise à fin de votre service, et bien attend que le président a décidé. Que n'a la confiance, et Sengeli n'a eu Otika. Et il y a eu Kakamolongo, il y a eu démission. Na France Koutouba, ta qui au sala que, na era ba kombe, et zala qui, premier ministre aye, ba nommé au signé déjà démission. Jour président perdre confiance à démission d'émission. Très bien. Et zara bongo. Celui qui a adopté l'onga boué. Oui, et zara bongo. Lorsque le premier ministre vient d'un autre bord politique, le chef de l'État lui fait signer une démission en avance. Signer. A signé démission, le chef de l'État Bombiango. Le jour où le président perd la confiance, il sort la démission du premier ministre. Parce que la Constitution ne prévoit pas un premier ministre voyou ou un premier ministre bandit. On ne le prévoit pas. C'est une question de dignité. C'est une question de personnalité. Comment tu vas continuer à être premier ministre alors que ton président n'a plus confiance en toi? Mais c'est une question de personnalité. Ce que le premier ministre n'a plus sur Rambo Kao, Abenga conseil des ministres, il n'en a pas le droit. Tout ce qu'il a à faire, le président doit être d'accord, Nango. Ce que Moutou Modèle, on a au travail, le chef de l'État ne veut plus de toi. Chef de l'État a béni premier ministre, c'est pour lui faire constater sa méfiance. Dire que, monsieur Iloukamba, je n'ai plus confiance en toi. Pour Nakobo est ridicule, démissionner. Mais Nakobo est beaucoup démissionné. Mais si on peut démissionner, qu'est-ce qui va se passer? Tant que le président Sengui est informateur qui a identifié majorité parlementaire, l'informateur va aller constater qu'il y a plus de 260 députés qui ont traversé. D'accord? L'Ingisou, côté FCCT, il y a un côté à Union Sacrée. Bangoana s'est présenté devant l'informateur et l'informateur amènera l'information au président de la République. Monsieur le président, n'a découvert majorité Mokuna. Le chef d'État dit ah, on découvre majorité. Eh, ok, c'est bon. L'accès à la majorité. Voilà. Le chef de l'État, quand il aura vu la majorité, à sa réunion, je crois, il va présenter ma candidat à Bango. Monsieur le président, l'habitude de l'Ingi, Ozoa, Moudoutel, Azala Premier. Et ça va se passer sur une base de liste. Et le chef de l'État, en ce moment, à cause de la liste, à Talio et à Lingi, à Pony Moutouana, ce qu'il a nommé formateur au gouvernement, à former. Moutouana Koya, à Ebisa Lobi, bon, écoute, Nalingo a premier ministre Nalinga. Mais ce que, entre parenthèses, Israël, Naosteng, on a chef de l'État, Moutoua, au cause de ministre et à coalition, a signalé une démission en avance. Aussi, bah, déjà. Aussi, m'a signé une démission en avance. Et démission, la formule, Nalingo a clair. J'ai été appelé par vous, vous m'avez confié telle charge, n'ayant plus votre confiance, je démissionne. Ah, comme on a déjà bon goût avant. Comme ça, le chef de l'État, Zanango. Ceux qui ont sali qu'à Mbeba, le chef de l'État, bah, démission, on a RTNC, la 20h, démission, chef de l'État, il y a un premier ministre Bimi, la signature, on a. Très bien. Je crois que, et ça, voilà. Donc, bateau, on supputé, ça n'a rien à voir. Et ça, la informateur, on a démission, et ça, il y a un premier ministre. Sentiment na yo, batwe belé, ba yemba ki li bala ou ya FCC kashifu e kabwani. Batwe belé balobi, sugi FCC na kashifu e kabwani e ozalamalamu.
Mokodzamoka yé mokota mwasala ki discours na ya 6 minutes a évoqué 8 points oya moni ke banda to banda ki na mwa si ou to na mobali ou makambo yé marché malamoute. Bato bele ba menasa ki chef de l'État. Bato bele pe ba pesa ki conseil en disant que ce qui ou pandi li ba la FCC cash, un, to oubimi sa ko ou ezo kanga yo. Deuxièmement, ce qui ou pandi li ba la wana, to okuma na cohabitation, to zan même na possibilité ya ko destituer chef de l'État. Wanezaki ou bato wane ou menasa chef de l'État. Yo loko la mouta maere, tango mouni li ba la wane kabouani mouko nzambo ka annonce ritu. Sentiment de Zaki Nini. Ou bangite que bah oui mais ça accord finalement dans les réseaux sociaux et comment on a mis sur bateau. Deuxièmement, comment la cohabitation et comment mettre le président de la République en difficulté. Quelle a été la réaction aujourd'hui? Les FCC cachent. Bah quoi autant vous la discussion ensemble était. Après l'annonce du chef de l'État. Bon moi ça m'est pas ça m'a pas étonné parce que et dans deux le bango déjà. Tout le monde que Simbaté va au Kabona, il y aura un moment donné au Kabona. Et aujourd'hui, va Kabona. Donc, moi, ça ne m'a pas étonné. La cohabitation, il faut oublier, tu n'oseras jamais la cohabitation, parce que notre système politique, notre système, notre régime politique ne permet pas la cohabitation. Mais tu n'oseras nini. Parce que Kabunda dit, il n'y a ni coalition, ni cohabitation. Tu n'oseras nini. Si tu n'oseras nini, union sacrée. On aura une autre coalition, mais qui va changer de nom. Ça dit, pour, bisous, tu n'oseras la coalition, tu es, coalition Ntikali, mais changer de Kakumbo. Ça veut dire que Mobali a bengani moisi, a bali moisi moussous. Félix Tshisekedi a repudié FCC, a bali moisi moussous, comme on a eu union sacrée. A livré. Oui, a livré. A excommunié. Oui, a excommunié. Tout le monde a expression à la tente. A excommunié, a bali moisi moussous. C'est comme ça. Et le pays continue. En fait, le pays n'est pas dans une crise. Tout ça, c'est une crise alimentaire, une crise émotive. Il n'y a pas de crise profonde. Le président est le seul maître à bord et il décide comment ça va se passer les choses. Non, non, on appelle ça grave, les amanatés. Cohabitation, il faut que bossana yango. Ça n'existera jamais dans ce pays. Yego Simbaté. Parce que Mibé, qu'on a vu sur Mboka, et d'autres présidents de la République, un acteur majeur, un acteur principal. C'est lui qui nomme. Comment quelqu'un qui va nommer quelqu'un, hier aux acteurs mineurs, c'est un acteur majeur. Cette histoire de la système où il est favorable à sa cohabitation. Mais le système actuel est un système stérile par rapport à la cohabitation. Ça ne peut pas engendrer la cohabitation. Bisous doit engendrer qu'à la coalition. Donc les coalitions peuvent se faire, se défaire, se redéfaire encore. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il y a quand même pour la première fois un président qui entend, qui écoute, et voilà qui agit. Et c'est maintenant que Batoba le Baki que Bakabouana. Mais monsieur Mozuto Tangi, si monsieur Mozuto le Barango devant Batonia Soke, le jour où Kabila n'a Félix Bokabona, il avait dit ça. On m'a dit que Bato Baba Alia. Ah, il avait dit ça. Il avait dit ça. Monsieur Mozuto était un allié de Kabila. Monsieur Mozuto Aza allié. Non, ça c'est toi qui confirme. Je te le dis sur le plateau. Tu confirmes. Je confirme, je donne l'information. Monsieur Mozuto était un allié de Monsieur Kabila. Il a toujours travaillé sous les ordres de Monsieur Kabila et il ne peut pas comprendre qu'on travaille sous l'ordre de la été. Donc, M. Mozuto, lui, veut rester bras droit, mais malheureusement, il ne pourra plus être bras droit. Alors, on a C, évidemment, il y a Kabila, comme il a toujours été d'ailleurs. Il y a un groupe de Bango, parce qu'ils ont toujours protégé l'intérêt de Kabila. Ils battent, ils se battent pour Kabila, mais ils ne veulent pas le dire. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux Congolais. Pour Moto, Oya, Boya, rupture, c'est qu'elle est née Kabila Zong. Alors, on ne peut pas dire une chose, c'est son contraire. Vous ne pouvez pas dire aux gens que non, tu n'as pas carbone, 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 ça n'a pas de sens. Et M. Mozuto est un allié fort de Kabila aujourd'hui. Et ça devient une caisse de résonance sur Kabila Lobby, vous voyez. On ne peut pas modèle. Alors, chef de l'État, la discours, on a évoqué un autre point, on va aller très rapidement. Va consulter. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, priorité au direct. Nous allons directement rentrer au palais du peuple pour voir ce qui se passe et puis après on va revenir sur l'émission. On va priorité au direct, hein. Donc c'est que ça c'est une émission enregistrée. On va directement rentrer au direct. Qu'est-ce qui se passe actuellement au palais du peuple en direct? Est-ce que les députés continuent à venir? Est-ce que le nombre de députés à la signature ont augmenté? Voici en tout cas cette priorité à la vie du direct. Mon président Patrick, permettez-nous de publier la vidéo.
déclaré même propre. Députés qui sont présents, on espère aller même jusqu'à 300. C'est la majorité absolue. Voilà, merci. Nous demandons aux honorables députés qui n'auraient pas encore signé d'aller au service trait à la direction des séances pour apposer leur signature au regard de leur nom respectif. Pour constater ceux qui n'ont pas encore signé sont éliminés. Pourquoi pas le président Kaboun à côté du président Kaboun? L'écriture premier. L'écriture premier. Oh, ça va. Voilà, on nous signale le signal de la RTNC qui est venu. Voilà, nous allons tous rentrer au signal de la RTNC. Priorité au direct. On va passer à la RTNC. Merci. En tout cas, maintenant, on va suivre en direct, partagé. La RTNC est en direct maintenant. Ceux qui ont la RTNC peuvent le regarder. Ceux qui ne l'ont pas vont partager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons suivre, en tout cas, l'installation de ce bureau en direct. Je crois que les choses commencent petit à petit à comme le dit notre grand frère Kaboulo, les carottes commencent petit à petit à cuire. Donc l'installation du bureau du plus vieux au plus jeune va s'installer. Allez, partagez, on y va. Tout ça, c'est un processus assez long et laborieux. Mais professeur, le 15 décembre, ce sera la fin de la session d'octobre. Est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse aller jusqu'au-delà, tout ce qui devra être fait pour vider cette question, les pétitions déposées contre les membres du bureau aillent jusqu'au-delà de la session de septembre? Non, je crois que tout sera fini avant le 15. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le bureau de l'honorable Mabunda et tout son, ils appartiennent au passé. Ils appartiennent au passé. S'il y a une session extraordinaire, elle sera présidée par un nouveau bureau, mais pour ce bureau ici qui est entré en rébellion contre le règlement intérieur même de l'Assemblée nationale, je vois que leur place est dans le passé. Le futur appartient plutôt à un nouveau bureau qu'on va mettre en place. Merci, professeur, merci honorable pour toutes ces informations que nos téléspectateurs, les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise ont pu recevoir de cet éminent professeur de droit constitutionnel au regard de cette situation qui mobilise toute la communauté nationale, mais qui nous offre aussi des spectacles un peu enviables, comme c'était le cas il y a quelques heures avant l'ouverture de cette plénière, dont on attend d'ailleurs l'ouverture incessamment. Un autre honorable est ici avec nous,
l'honorable Ntingi, qui lui aussi participe à cette plénière, mais disons que honorable, on pensait que ceux qui prennent part à cette plénière sont seulement ceux qui ont signé la pétition contre les bureaux sortants. Non, non, la plénière a été convoquée concomitamment par le secrétaire général, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés. Ceux qui ont signé la pétition, ils sont dans leur droit, le plus légitime. Nous, ce qui nous importe, c'est d'être là et étant député, nous devons assister à tout. Donc, nous sommes là pour assister et puis faire ce qui est de notre devoir. S'il s'avère que les bureaux doivent changer, ils ont le droit, ce qu'ils veulent, bon, chacun a ses aspirations. Il faudrait que le cadre soit bien, que ça soit, que ça se passe dans les règles du système. Mais ce que nous déplorons, c'est, vous voyez maintenant aujourd'hui, ensemble avec moi, vous pouvez constater que les droits au Congo a beaucoup de faiblesses. Tous ces méandres expliquent la faiblesse du droit. Professeur en droit, juriste, avocat, tous dans la même marmite. Ils ont une faiblesse à outrance de la lecture du texte. C'est eux qui étaient dans la commission PAJ pour élaborer les règlements intérieurs. Aujourd'hui, ils sont incapables de dire la vérité. Tout ça, tous ces désordres s'appellent les hommes de droit. Professeurs, licenciés, juristes, magistrats, tous ces gens-là qui ont fait le droit, membres de cette corporation, il y a beaucoup d'intellectuels ici, des professeurs d'université. Mais regarde là où nous sommes. Ce désordre s'appelle insuffisance et incompétence des hommes de droit. Tous ces désordres, c'est orchestré par les juristes. Oui, c'est le juriste, mais les textes sont quand même écrits en français. Il y a certainement des subtilités juridiques qui ne sont pas maîtrisées par le commun des mortels, mais il y a quand même un minimum dans l'intellectuel capable de lire un texte et d'en comprendre le sens. Comment il s'est fait que tous les intellectuels qu'il y a à l'Assemblée nationale lisent le texte, un texte écrit en français, bien qu'écrit par des juristes, et en donne des interprétations approximatives, juste là. Mais je vous dis, un problème mal posé ne mérite pas une bonne réponse. Quand le texte est mal d'abord écrit, écrit par qui? Et la commission de réagir est composée à 90% de juristes. Je vous le dis, vous ne pouvez pas me croire. Moi, je suis ingénieur physicien. Je vous dis, à la longue, on doit insérer quelques mathématiques et différentiels dans les options de droit. Ils sont vraiment en retard de compréhension de beaucoup de choses. Je vous dis, même si vous ne me croyez pas aujourd'hui, un jour vous allez comprendre que le droit au Congo est l'option qui est en train de causer des désordres. Aujourd'hui, nous avons assisté à la cérémonie de procès de serment des magistrats. De l'autre côté, on parle de la violation. D'une part, on dit, c'est en règle. Qui sont-ils, juristes? Aujourd'hui, qui doit ouvrir? C'est le secrétaire général ou bien c'est madame qui doit, la présidente qui doit ouvrir la plénière pour céder au plus vieux, aux deux jeunes? Le conflit est là. Qui sont-ils, juristes? Oui, justement, vous excusez, juriste, mais disons quand même, comme je viens de le dire, vous êtes ingénieur, vous êtes intellectuel et vous avez la capacité de lire un texte et d'en comprendre l'essence. C'est ce que j'ai dit. Comment il s'est fait que ce texte a été élaboré par la commission PAJ, transmis à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité, déclaré conforme à la Constitution, adopté déjà par l'Assemblée nationale, composée de 500 intellectuels, je suppose, et que tous ces intellectuels ont été incapables de déceler dans ces documents ou dans ce texte les difficultés de compréhension. Le problème plus majeur, c'est quoi? Dans tous les cabinets politiques, il y a d'abord les juristes en masse. Un, les juristes maintenant fonctionnent avec l'émotion, les quotients, il y a deux quotients. Nous avons le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Maintenant, les juristes fonctionnent avec le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est quoi? Le quotient émotionnel, c'est lorsque quelqu'un ne retrouve ses intérêts ou bien voit ses intérêts menacés. Maintenant, il peut interpréter en mal pourvu qu'il gagne le pain qu'il désire sauvegarder. Donc, c'est-à-dire, à quelque part, les juristes n'ont pas le degré
le degré de comparaison de probité morale comme nos autres. C'est pourquoi nous tombons dans ce genre de choses. Ça, c'est quand même une forte déclaration. Hein. J'assume, hein, parce que vous savez qu'il y a eu des échafaudés ici, il y a des intellectuels. Vous ne cessez de dire que non, l'Assemblée nationale est composée de plusieurs intellectuels. Mais regardez ce qui se passe. Nous sommes dans quelle salle? Salle de spectacle, mais ce n'est pas la salle de plénière. Pourquoi? Parce qu'on a cassé. Qui ont cassé? Les intellectuels. Mais il faut quand même arriver à utiliser les mots. Les mots ont leur contenu et ont été. Les mots existent pour être employés. Si on vous dit vous êtes insolent, vous êtes insolent. Vous êtes indiscipliné, vous êtes. Il faut assumer. Il faut assumer. Moi, je vais vous dire, vous journalistes, prenez le temps de commencer à conscientiser les juristes. Ils sont la maladie de ces pays, ce sont les juristes. Et vous ne pouvez pas me croire aujourd'hui. Mais peut-être après le siècle. D'ailleurs, si vous regardez même ceux qui ont fait le droit, leur maître Montesquieu, pourquoi nous avons quitté du royaume au empire et à la République? Qui a fait ça? C'est leur maître avec Montesquieu. Et il a écrit des phrases. C'est pourquoi majorité des politiciens, des juristes, pourquoi ils sont un peu déraillés? Parce que beaucoup, ils deviennent juristes après avoir été conseillé quelque part. Il n'a pas fait des études normales, il va faire le droit en état déjà 40 ans, 45 à 50 ans. Il fait le droit. Quand il va terminer, c'est un porteur de diplôme de droit, mais ce n'est pas un juriste. Conséquence, comme il a des acquaintances, familiarité, il est dans les bureaux, il conseille et on lui croit. C'est ça la faiblesse. Maintenant, Montesquieu a fait quelque chose en sorte que les gens soient sur la bonne voie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens se sont intégrés à la théorie de Machiavel. Nous autres scientifiques, de sciences appliquées, nous utilisons la théorie du cardinal Mazarin. Beaucoup n'en ont pas. C'est pourquoi vous verrez que moi, je suis plus correct. Plus correct. Cohérent. Ça, c'est l'honorable Lintingi. Pour nous, ce sont des propos qu'il engage tout naturellement. Et c'est son point de vue, c'est son appréciation. Une question de curiosité. Est-ce que vous serez tenté, si jamais il y a une possibilité, de candidater à un poste au bureau, est-ce que vous serez tenté de postuler? Non. Je vois, il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'il y a des gens qui en voulaient. Non, vous avez une cohérence. La République a besoin de gens cohérents pour que les choses évoluent. Vous qui pensez, en tout cas, selon vos dires, que vous êtes cohérent et pour avoir fait les sciences appliquées, vous êtes mieux que les juristes qui se perdent très souvent dans les interprétations différentes selon qu'on est à gauche ou à droite. Il faut dire que ces gens cohérents prennent la destinée de la République. Mais vous ne pensez pas être tenté de participer à rendre le bureau cohérent et la pensée cohérente à l'Assemblée nationale? Si vous observez très bien, toute personne qui veut devenir membre du bureau ne veut pas le travail du peuple. Parce qu'ils n'ont pas droit à la parole. C'est-à-dire, ils vont pour l'argent. Mais moi, je suis venu pour le peuple, je dois être là pour discuter article, par article. Tous ceux qui vont au bureau là, ils ne veulent pas travailler. Ils sont seulement derrière l'argent. Mais c'est pourquoi, justement, quand vous discutez, entre moi et moi, je ne suis pas venu chercher l'argent. C'est pourquoi je dois être ici. Pour bien discuter des articles, bien concevoir les lois. Personne là-bas ne peut créer une loi, ne peut élaborer une loi. Celui qui est membre du bureau, il a le devoir du silence. Il ne participe même pas au débat. Il ne peut rien dire, sinon léguer même son pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais quand vous léguez le pouvoir à quelqu'un d'autre, il ne peut pas l'exprimer comme vous l'en voulez. Donc, moi, étant que sage, cohérent, discipliné, je dois être ici pour continuer à les guider que non, c'est comme ça. Le peuple veut ça. Vous avez vu le chef de l'État. Il voulait être le chef de l'État, il est là. Mais il a vu qu'il y a des gens qui ne veulent pas de lui. Et maintenant, il est recadré. Il dit non. On doit recadrer les choses. Moi, je trouve que je suis embrouillé un peu. On va recadrer les choses. Si tu es où? Recadrer un peu les choses. Voilà. C'est pourquoi, n'acceptez pas surtout. Quand vous voulez un poste, il faut savoir les contours de ces postes. Ces postes-là que vous voyez, du président jusqu'au deuxième rapporteur et consort, ils n'ont pas droit à la parole. Et toi, tu es venu ici en tant que député pour parler pour l'intérêt du peuple. Mais pourquoi tu veux devenir président? Pourquoi tu veux devenir vice-président? Donc, tu es venu pour autre chose. C'est pourquoi les gens vous trompent. Je veux. Non! Tu veux quoi? Ceux qui veulent le bonheur du peuple conçoivent et élaborent des lois. Ceux qui veulent être au bureau, et ce sont dans les standings, la bourgeoisie, ils sont même dans la néfantise. Comment je peux qualifier ça? C'est un peu ça? Oui, honorable. Nous allons terminer avec vous. Vous restez sur le banc pour participer à l'élaboration des lois, l'élaboration des textes, mais que
vous venez de le dire, des textes qui ne sont toujours pas bien élaborés et que vous interprétez toujours mal. La preuve, c'est que maintenant, pour un article élaboré par vous, vous étiez sur le banc, vous interveniez quand le règlement intérieur était en train d'être voté, vous n'avez pas réussi à donner un texte limpide, qui soit bien compris par tous, pour nous éviter ce genre de spectacle. C'est bien ordonné. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque une législature sort, il lui reste le pouvoir de tenir le secrétaire général. Quand il y a une élection, une autre législature arrive, d'autres députés arrivent, ils seront reçus par le secrétaire général, qui va installer le plus âgé et le deux jeunes. Et après, les deux jeunes et les plus âgés vont conduire maintenant, c'est ce qu'on appelle le bureau provisoire, qui vont nous conduire au bureau définitif. N'est-ce pas? Alors, maintenant, dans le cas actuel où le président, le bureau dans son ensemble, est en difficulté, le président ouvre la plénière. Et après, il lègue la direction de la plénière aux plus âgés et les plus petits. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous ai dit que les juristes fonctionnent du côté émotionnel pour leurs intérêts. Ils ont appris qu'en ouvrant cette option, il y aurait une motion qui va prendre la pétition pour dévier la pétition. C'est pourquoi ils ont sauté premier. C'est ça ce qu'il y a eu comme cassure. Donc, ici, nous ne sommes pas dans les problématiques d'interprétation des règlements intérieurs. Mais nous sommes dans les soucis émotionnels d'un cas à l'autre. Ce sont des petits-enfants qui ne comprennent pas qu'ils doivent. Ils devaient élever leur conscience. Est-ce que vous l'estimez dans les voies qui nous sont tracées? Honorable, vous n'estimez pas quand même que les mots sont durs? Oui, quand vous traitez les gens trop durs pour qu'ils n'en reviennent plus. Merci, honorable, merci. Vous avez suivi l'honorable Singhi qui apprécie différemment ce qui se passe. Nous allons échanger avec l'honorable Fabrice Mpouila. Lui aussi a sa lecture des choses, mais en tout cas, nous allons garder un peu l'honorable Fabrice Mpouila parce qu'il va parler d'abord en français, ensuite il parlera aussi en Kikongo. Voilà, honorable, vous êtes ici pour participer à cette plénière qui a fait couler beaucoup d'encre avant sa tenue. Vous aussi, vous êtes juriste, mais on vient ici de recevoir l'honorable Tingi Poulou qui lui estime que vous réagissez très souvent par émotion et même... C'est selon que les interros vous appellent à gauche ou à droite que vous interprétez les textes. Merci beaucoup. Premièrement, je salue tous les téléspectateurs, les auditeurs de la grande maison RTNC. C'est juste la dernière partie, malheureusement, que j'ai suivie, mais ces déclarations ne l'engagent que lui, parce que c'est totalement à côté de la réalité. L'Assemblée nationale est régie par des textes, par le règlement intérieur que nous avons voté, règlement intérieur envoyé à la Cour constitutionnelle qui l'a déclaré conforme à la Constitution. Donc notre règlement intérieur a valeur de loi. Et ce règlement intérieur dit clairement à l'article 31 que lorsque une pétition est signée. D'abord, une pétition ne peut pas être collective. C'est individuel. Chaque membre est visé par une pétition, et ce qui est le cas. Mais lorsque la pétition concerne le président de l'Assemblée nationale, dans le cas d'espèce, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est le doyen d'âge qui préside la dite plénière. Et nous sommes à cette hypothèse-là. En principe, de manière purement protocolaire, et heureusement ça a été fait hier, le secrétaire général convoque justement la plénière, c'est ce qui a été fait, et installe les bureaux d'âge, ces bureaux provisoires. Malheureusement, le secrétaire général, d'après ce que nous apprenons, est porté disparu. On l'a kidnappé et aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est purement protocolaire. Le doyen d'âge, nous le connaissons, c'est l'honorable Mbosso et les deux Benjamin sont également là. Nous allons siéger valablement. On va installer les 10 bureaux provisoires. On va notifier les intéressés parce qu'ils ont le droit de se défendre.
de présenter les moyens de défense parce que à chacun, on a mis des griefs pour lesquels il doit présenter les moyens de défense. Voilà comment au fait les choses vont se passer. Donc aujourd'hui, on installe le bureau provisoire et demain, nous allons, demain ou après-demain, je pense que demain, puisque nous avons pris beaucoup de jours, les cases, nous devons clôturer la session ordinaire de septembre. Donc, aussitôt après, nous installerons ce bureau et dans mon sens, en cas de clôture, nous élirons les nouveaux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez, c'est la question que j'ai posée à tous les intervenants ici, à l'exception de l'honorable Mtingi Pouloulou, est-ce que vous pensez que les décisions qui seront prises ici, dans l'hypothèse où les membres du bureau, tous comme ils sont incriminés ou attaqués par une pétition, si jamais ils refusent de se présenter à la convocation qui leur sera adressée pour donner leur moyen de défense, comment les choses devraient-elles se présenter? Merci beaucoup. C'est pourquoi on dit qu'on doit leur faire la notification. Lorsque, vous savez, en vertu de l'acte contraire, et puis il y a une jurisprudence dans cette Assemblée nationale, lorsque nous avons voté également la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kabound, est-ce que vous l'avez vu? Il n'était pas venu, il n'a pas présenté ses moyens de défense. Cela ne nous avait pas empêché d'aller jusqu'au vote. Nous sommes dans le même cas de figure, nous irons également au vote et nous constaterons que nous ne sommes pas là, nous prendrons acte et puis nous allons lire les grèves qui leur sont qui sont mis à leur charge et nous voterons. Merci honorable. Alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, dans son communiqué officiel du lundi 7 décembre 2020, invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière ce mardi 8 décembre 2020 à 11h précises avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge en vue de l'examen des pétitions initiées contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Après avoir constaté l'absence de Monsieur le secrétaire général, la plénière nous autorise à inviter le directeur de séance à présenter les membres du bureau d'âge. Monsieur le directeur de séance. Qui commence sous des acclamations avec directeur des séances. Honorable député, selon les renseignements disponibles au bureau de chancellerie de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbofoko Diakouaga Christophe, né le 7 août 1942, a 78 ans d'âge. Tandis que les honorables Aminata Namasia Bazigo et Moussa Obabou Legaël sont nés respectivement le 10 mars 1993 et le 2 août 1993. Par conséquent, l'honorable Mbosoko Diakouaga est de bien d'âge, tandis que les honorables Aminata Namasia et Moussa Obamboulé sont les moins âgés. Je leur demande de se lever pour être applaudis par l'audiste assemblée. Je vis des services de protocole pour le conduire et prendre de place au perchoir. Madame Pilatine.
Chers collègues, la liste de présence présentée par nos services administratifs nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279 de présence nous transmis par les services administratifs nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279 députés sont présents dans la salle. Le quorum de siège étant largement atteint, nous pouvons siéger valablement. Chers collègues, la première de ces jours, ainsi que l'indique le communiqué l'ayant convoqué, comporte un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'installation du bureau d'âge en vue d'examiner des pétitions déposées individuellement contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Pouvons-nous, chers collègues, adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour étant adopté, nous pouvons passer à l'examen de cet ordre du jour. Chers collègues,
la présentation du bureau d'âge vous a été faite par le directeur de séance. Je voulais quand même, en cette circonstance, dire un mot. Le premier mot, c'est d'abord celui de vous remercier au nom de mes deux collègues pour la confiance que vous avez témoignée à nos modestes personnes. Nous vous en remercions. Chers collègues, c'est avec amour, avec justice et avec transparence que nous allons nous efforcer à assumer les responsabilités que les circonstances de ce moment nous confèrent. C'est avec le concours de tous les collègues que nous pouvons réussir cette mission. Nous exhortons tous les collègues à préserver la paix, la concorde, la dignité entre nous. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous allons entrer dans une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire édictée par les pétitions. Les pétitions sont des actes réglementaires qui sont régis par notre propre règlement, qui en fait est une loi. Nous allons les examiner en toute quiétude, en toute sérénité. Nous devons reconnaître à nos collègues qui sont accusés le droit d'assurer leur défense. Nous devons le faire dans le respect de tout être humain et de surcroît, ce sont nos collègues que nous avons élevés au niveau du bureau qu'au jour d'aujourd'hui, certains collègues ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leurs droits en signant cette pétition. C'est pour cela que nous vous exhortons que cela, ça se passe avec beaucoup de dignité et d'amour. Quand les collègues viendront se défendre devant la plénière, nous devons être disponibles à les écouter pour qu'ils assument, pour qu'ils assurent en toute quiétude, en toute sérénité et en tout respect leur défense. Personne ne peut être sanctionné s'il n'a pas été entendu. C'est un droit constitutionnel. Nous devons leur garantir un procès, si je peux ainsi m'exprimer, équitable, pour que nous prenions à notre tour, en toute responsabilité, la décision qui interviendra après tout le débat autour de ces différentes pétitions. Voilà, collègues, c'est une exhortation, c'est un devoir patriotique républicain que nous demandons aux collègues députés de pouvoir s'assumer en toute responsabilité. Nous demandons également si nous pouvons vraiment sécuriser nous-mêmes l'enceinte du palais du peuple. C'est nous, les honorables députés que nous sommes, qui devions d'abord assurer l'honneur et la dignité de l'institution parlementaire. Nous avons un grand pays au cœur de l'Afrique,
la République démocratique du Congo est un pays qui compte. Vous-même, vous assistez à des organisations interparlementaires, vous savez avec quel honneur, avec quelle discipline et fierté nous sommes accueillis au sein des organisations interparlementaires. Dans l'examen de nos pétitions, nous tiendrons compte de ces éléments aussi, pour que de l'autre, qu'on ne reproche pas d'avoir gelé notre propre règlement intérieur. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire au sujet des pétitions. Il sera également, avec le concours de 3 ou 5 sages experts de pétitionnaires, 5 experts de nos pétitionnaires, de ceux qui soutiennent les collègues incriminés, on se mettra avec le bureau d'âge ensemble pour établir la procédure telle que prescrite par notre règlement intérieur. Document de procédure que nous présenterons en plénière, que la plénière aura la responsabilité de corriger, d'amender, de modifier. Une fois que nous aurons adopté cette procédure, alors nous passerons exactement à l'examen de cas par cas pour tous les collègues qui sont mis en cause. Chers collègues, voilà ce que je voulais dire au sujet comme nom de circonstances en ce moment-ci. Et chers collègues, au regard de l'urgence que revêt l'objet de l'ordre du jour, votre bureau d'âge vous propose que la plénière consacrée à l'examen des pétitions ci-évoquées soit fixée à jeudi à 10h. Jeudi 10 décembre 2022. Le temps pour nous. 2020, pardon. Ok. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés. Pouvons-nous procéder de cette manière-là, chers collègues? Il en est ainsi décidé, comme plus rien n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour. Qui sont pour? Pardon? Ah! Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Alors, merci, merci. Il est ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Je vous remercie. Attention, s'il vous plaît. Voilà. Nous informons aux honorables députés qu'un cocktail leur sera offert tout à l'heure. Ils peuvent bien rester pendant un temps dans la salle en attendant que les services traiteurs s'occupent d'eux. Le plénière, afin que la plénière applaudisse la sortie de 3 membres du bureau provisoire. Merci. Merci de votre information qui commence. La plénière vient de se terminer. Honorable, vous êtes élu du 4 gouvernement.
Mon nom, c'est l'honorable Claude Mpiamena Zambini. La plénière vient de se terminer, cette plénière tant que relais. Quelles sont les impressions que vous avez? Les premières impressions, c'est que nous apprécions en fait la qualité de cette plénière et nous sommes conscients que toutes les démarches que nous avions menées pour introduire cette pétition en fait ont abouti et nous sommes très contents de voir que ces démarches suivent leur cours normal. Vous pensez que le bureau va tomber à la fin de l'examen de cette pétition? Mais c'est notre souhait le plus ardent, que ce bureau tombe, parce que nous avions lutté pour ça. Notre lutte doit aboutir. Et ça, j'ai la certitude et la foi que notre lutte aboutira. Merci, honorable. Merci. Honorable, vous aussi, vous venez de prendre part à cette plénière. Je l'appelle plénière querellée parce qu'avant qu'elle ne se tienne, il y a eu des échauffourées entre députés, mais aussi entre ceux qui sont dans les dans l'environnement immédiat des honorables députés. Comment vous sentez-vous après que cette plénière s'est terminée dans ce contexte? Merci, messieurs les journalistes. Je m'appelle l'honorable Boule Bangol Bassad Mohamed, élu de la ville de Bouta. Écoutez, ce qui vient de se passer, c'était tant attendu. Heureusement que les esprits se sont apaisés par rapport à ce que vous décrivez qui se soit passé ce matin et que nous avons été témoins oculaires parce que moi-même, je me trouvais ici depuis 8 heures. Nous faisons confiance à ce bureau. L'honorable Mbosso, c'est une personnalité forte qui a de l'expérience parlementaire. Vous voyez, dans son mot, dans son exhortation, il a tout dit. Et nous pensons que ceux de nos collègues membres du bureau ont leurs droits, parce qu'on ne va pas les condamner sans avoir présenté leurs moyens contradictoires. Et c'est garanti par notre règlement intérieur et aussi par la Constitution. Et donc, ils ont le temps de se préparer parce qu'ils ont reçu chacun une copie de cette pétition. Et c'est avec dignité, honneur et amour, comme a dit le président des sages du bureau, que nous les attendons pour venir présenter leurs moyens de défense et convaincre, afin que l'aboutissement nous permette également de construire notre démocratie dans l'Assemblée nationale. Merci, honorable. Merci, honorable, pour ces informations. Honorable Lia, vous-même déjà élu PPRB, vous avez été reçu par le président de la République dans le cadre de ces consultations. Déjà, un bruit avait couru autour de cette réception par le président de la République. Aujourd'hui, vous êtes dans cette salle. La plénière vient de se terminer. La plénière qui, avant qu'elle ne se tienne, a eu beaucoup de tumultes, mais tout ça est derrière nous. La plénière vient d'avoir lieu. Vous-même, élu de Bumba, si je ne me trompe, comment appréciez-vous tout ce qui se passe? Écoutez, d'abord, avec beaucoup d'émotion que j'assiste à ces événements. Il faut dire que c'est un tournant historique dans notre pays. Et voir les députés agir avec détermination pour dire non aux stratagèmes, aux stratégies partisanes et laisser la place au combat pour les triomphes de l'intérêt général. Dire que nous ne pouvons plus fermer les yeux face aux souffrances sociales de notre peuple. Trop, c'est trop. Nous devons nous aligner pour accompagner le mouvement sociétal qui a été lancé par le président de la République. La prise de conscience sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons faire. Je crois que l'enjeu n'est pas tant le changement d'hommes et de femmes qui étaient au bureau et conserver les pratiques. L'enjeu, pour moi, dépasse le seul fait de remplacer les hommes par d'autres hommes. L'enjeu, c'est transformer notre société. L'enjeu, c'est essayer de diriger une nouvelle manière de travailler au Parlement. Que le Parlement soit rénové
soit véritablement mise en branle pour la défense de l'intérêt général, la défense des citoyens. Les Congolais exigent de nous un peu plus de, du concret et de la clarté dans ce que nous faisons comme travail. Ils se sont éloignés un tout petit peu du travail que nous faisions. Ils n'avaient plus confiance à l'Assemblée nationale. Il faut réconcilier les élus de leurs électeurs avec leurs électeurs. Il est impératif que nous puissions faire un travail allant dans le sens de réhabiliter la fonction parlementaire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le début d'une grande aventure dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau Congo. C'est comme ça que moi, je perçois les choses. Plus rien ne peut plus comme être comme avant. Nous devons tout faire pour essayer de faire en sorte que les projets, les contrats qui ont été signés entre le président de la République et nos concitoyens prennent corps à travers les travaux législatifs, les travaux d'accompagnement, des lois véritablement utiles pour le peuple, un contrôle parlementaire sérieux, une évaluation et un contrôle de l'action publique allant dans le sens de défendre les intérêts du peuple. Et ça, c'est quelque chose de magique, un moment extraordinaire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup, honorable, pour cette expression de ce qui vient de se passer ici au Parlement. Nous allons terminer avec l'honorable Lusenge Bonané Jérôme. L'honorable Lusenge Bonané Jérôme, élu de Lubero Olokivu. Voilà, élu de Lubero Olokivu. La plénière s'est terminée. Nous allons terminer avec vous. Quelle est la plus grande chose que vous retenez dans la tenue de cette plénière? C'est mettre fin à l'indiscipline qui a régné depuis 2006 que je suis député. J'ai observé et suivi le misèlement des députés, les amener à ne pas exprimer le fond de leur cœur, les amener à être en contradiction avec le projet, qu'ils ont eux-mêmes souscrit avec les électeurs. Aujourd'hui, nous signons la fin de ce mode de gestion et c'est pourquoi je suis heureux de féliciter la République démocratique du Congo, notamment les populations, les députés de l'Ouest de la République qui ont compris la souffrance des tueries qui ne cesse de se répéter à l'Est de la République. L'Est de la République où normalement aucun député ne pourra voter dans le sens contraire à l'élan qui se développe. Parce que nos bases, nos populations ne savent vraiment pas pourquoi nous sommes députés pour eux, alors qu'on les égorge indéfiniment, et que le Parlement, même le gouvernement, est mis à genoux pour ne jamais parler de la réalité, de la façon dont les gens sont égorgés. Le gouvernement ou la gestion du pays n'a jamais voulu qu'on en parle, et semble, et visiblement, dans une forme de complicité, par son attitude de silence. Merci. C'est pourquoi nous félicitons tout le monde. Et nous disons grand merci à ceux qui ont décidé de signer cette pétition et de mettre fin à l'indiscipline dans le pays. Merci beaucoup. Vous avez suivi les interventions des honorables députés dans la suite de cette plénière. Même avant, vous avez entendu les uns les autres parler et vous vous faites une idée sur la réalité du pays et le contexte dans lequel nous nous trouvons, vedette que nous sommes en train de terminer. Matonde mingi mpangi edichala bana ya République démocratique du Congo bemeka kato wa kulanda wa mutindu bamevandisa batu tatu na kati nje ya bisalu ya Assemblée nationale kasi na batu tatu ina bamepona mutu mosi na kele mbuta tope doyen pe batu zone ina bakele bana ya fioti na kati kasi na bana zone ina mosi kele mwana kento pe mwana bakala ba ukisala bisalu ya bambokila bureau provisoire nyonso mwita mutindu mosi ya mbote bene fona zabanti na kati ya ba député ba oke vanda ka kama tano kasi kama zole na ndambu ponaka sam na kubaka libanza ye ba misa dila bubu yai nyonso melute na mutindu mosi ya mbote kasi mosi ina kele mbuta na ba nyonso kumuna mbuta mboso kodia kasi yandi kesa ya bisalu na bilandi nandi zole ina kento mosi bakala mosi bele bikana mbote na kulandaka na kakama na ka RTNC betoke mwana na beno kilumbu ya iya awa nakata inzo bisalu ya Assemblée nationale.
Merci, Blodette. Ça n'est donc fini pour ce soir. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et retourner l'antenne pour la suite des programmes sur la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Au revoir. Fly243.com Malobi Anna States. Événement de l'Union, ce sont les lignes résir. Et qu'un des libos, mon kili, mon bim, maman, mon ango. Ce sont les qui ont imagité pour échouer. Voilà, là, là. Alors, à tous les amis, Johnny Magic is the King, j'ai confirmé, j'ai vécu ça, c'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas, ben, c'est un privilège de connaître Johnny Magic et d'avoir les images avec Johnny Magic. Ouh, je suis très honoré, bravo Johnny Magic. Ma vie m'a rendu à Nicolo, tout ce qui est à Nicolo. Je vais dire ma soeur, un grand, et ça, Johnny Magic. Johnny Magic, les prix. Number one, Makamboyo. Johnny Magic TV. Donc, le bidon, tu sais, si baoyo, tu sais, si baoyo. Donc, tu baiserais bango, donc, bako kana John Image TV. Merci na John Image pour yende ma futa. Tu peux John Image arrêter à terre. Et puis ma futa, on est en haut, mais ça en haut. Oh, yo, quand moi, ici. Tu as John Image TV. Ya yi moko John Image monte ma partie sa tumba. John Image est bête, bango, fimo. Fimo, Chicote. Toujours John Image. Si tu veux que Moussala Neleka. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci en tout cas pour avoir suivi le direct. Nous continuons évidemment à vous balancer les émissions d'analyse qui vont se passer ce soir. Comme vous l'avez vu, le bureau Mbosso est installé, le bureau d'âge de l'honorable Mbosso est installé comme président et qui va présider les plénières qui vont à venir. Le premier rendez-vous est fixé pour jeudi à partir de 10h. En tout cas, Marc Tabou, le thermomètre, vous remercie en tout cas de nous avoir suivis depuis tout ce temps. Nous allons continuer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à prendre... quelques directs. Nous allons prendre le direct de Ma Mission TV qui est toujours dans la salle, qui sûrement est en train d'avoir quelques impressions de députés qui se sont, il faut le dire, battus aujourd'hui en tout cas pour qu'il y ait plénière aujourd'hui. Donc nous allons prendre Ma Mission qui est en direct. Ne partez pas. Sachez que juste après le soir, nous allons vous balancer les émissions d'analyse, entre autres d'écrits, Barcelona Politique et toutes ces émissions. Voilà, nous allons suivre Ma Mission TV. Première plénière sans Madame Mabunda. Et cette fois-ci avec le président Mbosso. Donc, président choisi par âge. Voilà. Nous continuons toujours notre direct sur la RTNC. Suivez et nous allons revenir pour les commentaires. Trois articles. L'article 25, l'article 30 et l'article 31 du règlement intérieur. L'article 25 vous dit clairement qu'en cas de faute lourde ou bien d'incompétence, les membres du bureau peuvent perdre leur, peuvent être remplacés par d'autres au terme d'une pétition. Ça, c'est l'article 25. Et l'article 31 vous dit que dans ce cas-là, incompétence et faute grave, et dans le cas de notre bureau, il y a eu incompétence, il y a eu également des fautes graves. Eh bien, la plénière, pour désigner le nouveau membre du bureau, doit être présidée par les doyens d'âge. Donc, au terme de l'article 31 du règlement intérieur, c'est le doyen d'âge qui préside cette séance, c'est lui qui va présider, assisté des deux députés les moins âgés, un homme et une femme, ils seront là, ils seront présentés, et cela va se faire conformément donc au règlement intérieur, dès lors qu'on s'est fait. Eh bien, les décisions qui vont sortir doivent s'imposer à tous, mais qu'on les accepte, qu'on les accepte pas, vous savez, même en justice. Il y a des gens qui n'acceptent pas les arrêts, mais la loi, c'est la loi, malheureusement. Ils vont devoir s'imposer à nos amis qui ne sont pas là. On aura que vous le dites avec une telle simplicité et une telle conviction, non, mais en tout cas, il faudrait quand même rappeler que vos collègues juristes aussi, que vous auriez dû attendre que l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale, convoque la plénière et au cours de cette plénière, vous posez le problème. Ensuite, vous alliez suivre cette procédure. Et là, dans la forme,
il se trouve quand même qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme il se doit. Et c'est là, parce que la forme n'est pas respectée, le reste ne serait que sur du sable mouvant et difficile à être opposable à tous. Bon, il faut dire que nos amis sont arrivés contre le règlement intérieur. Ils sont totalement... Nos amis sont en rébellion. Ils sont en rébellion, pourquoi? J'ai vu le communiqué du rapporteur, un collègue sur moi, qui a reporté. Et puis après, il y a eu un autre communiqué du deuxième vice-président. Il faut se demander finalement qui signe les communiqués à l'Assemblée nationale. Tantôt c'est le rapporteur, tantôt c'est le deuxième vice-président. Le règlement intérieur prévoit clairement à l'article 31 que la séance doit être présidée par le doyen d'âge assisté des deux plus jeunes. J'ai vu l'un de leurs conjoints, que c'est le président, mais il saute. Nos amis, la lecture de la loi est un peu compliquée. Et ça dépend aussi de là où ils viennent. On n'avait pas cette culture de bien lire les textes. Ils sautent au dernier, ils refusent de lire le premier. C'est quand tout le bureau est mis en cause. Mais il n'y a plus quelqu'un qui veut présider, parce qu'un principe élémentaire de droit, je crois que le rapporteur, le deuxième vice-président doit le connaître parce qu'il est avocat. On ne peut pas être juge et parti dans un procès et dans une affaire. Donc vous ne pouvez pas demander les mêmes personnes qui sont mises en cause qu'elles convoquent la séance. Ce n'est pas possible. C'est un principe général des droits qui est connu même par nos étudiants qui sont en première année, qu'on ne peut pas être juge et parti. Merci beaucoup, honorable, pour ces informations sur la plénière qui se tient. C'est le professeur Mbata qui affirme que ces informations, cette plénière se tient conformément aux dispositions du règlement intérieur et les résolutions qui en sortiront sont opposables à tous sans aucun contexte, sans aucun contexte, parce que l'article 31, l'article 25, c'est cette combinaison là des différents articles donne plein pouvoir à la plénière qui se tient aujourd'hui de désigner bien le groupe provisoire et ensuite conduire la suite du programme, l'examen des différentes pétitions déposées contre les membres du bureau et puis au besoin accorder la possibilité aux députés mis en cause qui occupent les bureaux de se défendre et alors il y aura forcément vote et c'est la fin qui va donc justifier s'il faudra un nouveau bureau ou bien la reconduction du bureau aux mis en cause. Tout ça c'est un processus assez long et laborieux. Mes professeurs, le 15 décembre, ce sera la fin de la session d'octobre. Et est-ce que vous ne craignez pas que ça puisse aller jusqu'au-delà, tout ce qui devra être fait pour vider cette question des pétitions déposées contre les membres du bureau aille jusqu'au-delà de la session de septembre? Je crois que tout sera fini avant le 15. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le bureau de l'honorable Mabunda et tout son, ils appartiennent au passé. Ils appartiennent au passé. S'il y a une session extraordinaire, elle sera présidée par un nouveau bureau. Un bureau ici qui est entré en rébellion contre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vois que leur place est dans le passé. Le futur appartient plutôt à un nouveau bureau qu'on va mettre en place. Merci professeur, merci honorable pour toutes ces informations que nos téléspectateurs, les téléspectateurs de la Radio-Télévision Nationale Congolaise ont pu recevoir de cet éminent professeur de droit constitutionnel de cette situation qui mobilise toute la communauté nationale mais qui nous offre aussi des spectacles peu enviables comme c'était le cas il y a quelques heures avant l'ouverture de cette plénière dont on attend d'ailleurs l'ouverture incessamment. Un autre honorable est ici avec nous, honorable Ntili, qui lui aussi participe à cette plénière, mais disons que honorable, on pensait que ceux qui prennent part à cette plénière sont seulement ceux qui ont signé la pétition contre les bureaux sortants. Non, non. La plénière a été convoquée concomitamment par le secrétaire général, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés. Ceux qui ont signé la pétition, ils sont dans leur droit le plus légitime. Nous, ce qui nous importe, c'est d'être là. Et... Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons vous donner
L'ambiance actuellement à Kinshasa, l'ambiance à Kinshasa après, il y a un cortège de fous à Kinshasa. Nous allons vous montrer un peu l'ambiance. Soyez branchés. L'ambiance un tout petit peu à Kinshasa, parce que ce plénière est déjà passé en tout cas. On va vous montrer l'ambiance à Kinshasa. Restez branchés en tout cas pour suivre ce qui se passe et en caméra filmée un peu autrement. Hein. Donc voilà, ça se passe en direct à Kinshasa. Regardez. Voilà. Regardez. Ça se passe en direct. Le point est à l'ambe, est-ce qu'il y a un peu de temps?
combattant, combattant, lancez le cardio. Voilà, là c'était l'ambiance de Wewa, bah bien avant la République de Wewa. Bah yaki bachaki ambiance, évidemment, ils étaient appelés à la rescousse lors de bon, vous savez que hier c'était l'affrontement entre le PPRD et l'UDPS. Aujourd'hui, au début, quand à l'arrivée de Jean-Marc Kabound et tout, il y a eu des échauffourées et tout ce monde-là que vous êtes en train de voir ont été appelés à la rescousse, en tout cas pour mettre. Je crois que comme. Alors, la plénière est fixée pour le jeudi à partir de 10h. Je crois que nous sommes en tout cas Mboka et Zali vraiment à Ropé. Là, nous allons revenir rapidement. On va pas, moi, je ne veux pas me fatiguer. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué qu'ils ont regardé mes directs, même à partir de Bounia, à partir de Boutembo, ils ont regardé. À Kinshasa, on a signalé qu'il y avait un problème. D'électricité, en tout cas beaucoup ont suivi le direct à travers ma page. Voilà, là nous allons suivre notre ami qui est toujours au Palais du Peuple. Voilà, on va voir ce qui se passe au Palais du Peuple. Ça c'est toujours les à côté, suivez les à côté de cette journée. Là c'est maintenant à la fin. À la sortie, on attend la sortie. Le président, voilà. L'actuel président de l'Assemblée nationale. C'est le président Mbosso qui est en train de sortir, bien escorté avec des gardes et tout, et voilà. Il y a encore une information qu'on nous donne comme quoi, madame la, l'ex-présidente, hein, Mabunda, toutes ces gardes ont été retirées. Bon, c'est juste quelque chose à vérifier, on ne sait pas. On va voir ça. Suivant l'information en tout cas. Awa tozali bongo na palais du peuple. Et si kawa pitoya qui ko assister na première plénière o ezalaki na tina yako valider bureau d'âge. Donc, bureau Oyo et Kokamba Bisso, na tango Oyo, toko statué, na nous soit toko évalué, et loko babengi pétition, ou ezaki initié contre bureau ya Janine Mabunda. Na yango bomoni que mokonzi ya sika ya bureau Oyo, soit le plus âgé, à lobby été plénière, ya sika et kozala jeudi, na 9h. Mais, boutika la koye ba été, plénière Yalelo. Et Zala qui n'a plus de 200. Donc, précision, Ezali 279 députés. Oyo ba assisté na plénière Yapokwa Yalelo. Donc, Moussala et le Kikitoko. Et le Kouana Bande Angoba Bingaka, majorité absolue. 279. Ça veut dire que Nabato ba signaka pétition te, ba pétitionnaire te, ba yakipe. Tozala qui na katianda koyo. Ndebisika wapi tozalaki bomoni bomoni musala eleki kitoko. Alors tokozonga wali sosu jeudi pona ko assister na plénière wana oyo eko évaluer justement pétition ya oyo ba député ba initié contre bureau ya Janine Mabunda. Janine Mabunda ko ya ko samba na bureau na ye soki asambi bien alongi. Bazongi seli lisusu musala ba député wabi von voilà zonga bandela ko continuer zongela musala na yo mais ceux qui assemblent bien té ba ndeko boyebi déjà suka article honorable simple mais mutuna tozali komituna bozali sûr que ndeko Janine Mabunda a ko zongela lisusu e bonga na ye lokola présidente ya assemblée nationale question mark yangonde mutuna toali kutuna na bayimboka. Bon, répondre à Bissot en commentaire. Nazo rappelé Bino que Awa Tozali n'a palais du peuple. Ngaye Zali Oyabino, Lady Chef Eric Chamanga wa Mujanai.
molela menje ku dibabi nzambi mujulu ku hamutu voilà mko anda bwa munyemva wabajila chinwa ya mpanya memeu okay na kuleje longi mwenda ni loani kumpaye nalingaki na rappeler bino les soso ke na tongo ya lelo to assista ki na ba evenement oyo ya Sony entre ba militants ya UDPS na ba militants ya PPRD alors pona nini tokoma kitina ba niveau wana ba moni na ngambo ba militants ya PPRD ba yena ba machette ba yeko kata ba nzete to ba yeko kata bato ba yeko kata mbila to ba yeko kata bato en tout cas ezalaki Sony mawa mingi tomona ki bongo na bilili ndenge nini bandeko ya PPRD bakotaki na ba machette mais merci beaucoup à la police et à sa vigilance pour asali musala kitoko bango nyonso ko bazali na ba machette na minito yo bazali bakangami bazali na boloko voilà merci aussi au président de la république oyo asala ki diskulu moko kitoko diskulu moko ya malonga donc voilà. Tata mokonzi wa ekolo alobaki kwajiki mudimu wa bangi kisame banda interpréter les députés qui viennent s'exprimer sur mon micro tout à l'heure en quelle langue? Il y a eu des députés qui ont parlé en français, en swahili. Donc maman Gina Omoni. Voilà, voilà, Bandeko Balandi, Bino Nyon se posali Kolanda Biso, Naï wa Bino Yeyo. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons interrompre notre direct qui a fait, je vais vous donner depuis quelle heure que nous avons commencé, nous allons interrompre notre direct qui a fait plus de 4 heures ou plus de 5 heures du temps. C'est depuis le matin que nous avons commencé à faire ce direct. Je remercie tous ceux qui nous ont regardés, Joseph Kikalembo, Néhémy Mbouyamba qui nous a regardés, Blanco Emmanuel Antonio qui nous regarde, Cédric Gemakala. On nous a regardés de partout, vous nous avez regardés de partout, vous nous avez regardés de tous les quatre coins de Kinshasa. Je rappelle que cette page a servi vraiment à beaucoup de personnes, d'autant plus qu'il n'y avait pas vraiment d'électricité, du courant à Kinshasa et dans d'autres coins du pays. Et moi, j'ai eu en tout cas l'idée de relayer mes amis, en tout cas mes confrères qui étaient au Palais du Peuple pour avoir la priorité du direct. Je ne l'ai pas fait sciemment pour évidemment leur voler la vedette. Vous avez vu qu'on ne me voit même pas, il y a ma voix. Mais j'étais juste là pour relayer les informations de ce qui se passait au Palais du Peuple, parce qu'il faut le dire que c'était vraiment un jour très spécial, très spécial. Alors, les confrères qui avaient des problèmes de batterie, je relayais d'autres informations. Je remercie ici l'œil du chef. Je remercie celui qu'on appelle Ma Mission TV. Je remercie Africa Cool. Je remercie Bosolona Politique. Je remercie Decri Info. Je pense à mon frère Christian Bossembe. Je pense à tous ceux qui ont fait ce travail aujourd'hui. Moi, je ne suis que relayeur des informations. Encore merci à vous parce que vous avez servi à votre manière la nation. Merci à tous ceux qui ont partagé, à Laetitia Ngalula qui nous regarde, en tout cas à Homme Vasco Mbouika Lala qui nous regarde partout. Merci d'avoir partagé aussi les vidéos. Nous avons à notre manière, bien que nous sommes à 8000 km de Kinshasa, à notre manière, servi la nation. Comme l'a dit le chef de l'État, Kisalume Banda. Tu sais qu'à l'époque, à une certaine époque, quand l'honorable Lambert Mende était ministre, on avait toujours des problèmes de relais. Pourquoi? Parce qu'on avait... il n'y avait pas internet à Kinshasa. Et comme là il y a internet à Kinshasa, même s'il n'y a pas d'électricité, que les gens n'arrivent pas à suivre à la télévision, c'est à travers le téléphone que nous avons fait ça. Vous avez vu que la RTNC n'est venue que après pour intervenir. Et voilà,
la plénière est passée. Nous avons le bureau d'âge qui est installé. Rendez-vous le jeudi. Mais pour ceux qui aiment cette page, déjà ce soir, je serai en train de balancer toutes les émissions, en tout cas, d'analyse politique qui vont, je sais qu'ils ont tourné, qui vont bientôt passer. Je vous remercie en tout cas. Honorable Vasco Mbouika, là, merci beaucoup. Merci. Même attaque Mutumorote à Komeringa Tchatchengaba, merci. Merci en tout cas. Donc je n'ai fait que mon travail. Ça, c'est servir la nation. Kisalume Banda. Botelema, Congolais, Telema, Poto Banda Moussala. Ce qui est important, c'est l'association Bakongolais, to sangana raté. Voilà tant que Bakongolais va sangana raté. Et l'eau, on y n'y koura au sala. Et l'eau, on te va raté, on aura force, y a beau sanganine, on aura raté. Mon Congo, mon Luba, mon Swahili, Mungala, beto na beto, biso na biso, toza entre biso. Donc, na rosenga na Bakongolais, toza la na bon moko. Oye uti ko sale ma awa, ezali ba député ba zui kanyaka, ba bwaki, ba boi kanyaka ba lobi no, to kende, to kota, to sala musala, po na mboka, po na ekolo. Ngai peke neko na musika na 8000 km na tel nabi, ah, ba ninga ba koreere biso ba information, ba bazana problem moko. Problem ba ninga za nini, ba bateri emi kuse ba mega realite. Nini na koki ko sala, po na ben information bango baza ko pesa ngana relayer yango ezala non stop problème ezani ezaka que muto a kokota a koyeba place nini ozo ba information te loko ngana ebi ba adresse YouTube Facebook ya bato ba message ko sala ba direct zina ba ki non Marc tu dois servir la nation mbala moko na kanisi la bi non bato baza ko sila ba batterie information e ko matam musu ba ebi penda yete na bato ba ko tale mingi te yo bani ko relayer bango ba information ana nyo surtout po koti sango pe batu batala. Nde yango wana bomona ki, na zwa ki likanisi, yako sangisa ba direct nyo sotu, na kati yo pour ke batu batala baza la releye, pour ke ba yo pe bazana ki sasa, soki ba moni ke likambo ezali, bako kana ko intervenir, na ndenge longo bani. Ole ke ba benga na telefone, mokonzi, probleme ezali awa, me bitumba wana tango zwa ko pase direct, ba ndeko la biso bazaki na ba telefone, bazo zwa ba riske, mais tant que ma batterie na ba ko kata na eke musu soza na rele baza ko tala ete lokola ngai nazali na batu mingi ba bana ko tala nga nde na ba ki na rele yango na remercier ba yonyo surtout bo landi biso merci to kuta na na tala soki ba direct musu ezali on a ko ti kabino soki ezali te to kabwani le lot siko yo pona to na to ze la ba mission oyo ekoleka na pokwa si mande. Voilà, tout le monde est sous Congo, boigne, fait chez Alina. En tout cas, s'il était beau, qu'elle était beau, qu'elle était. Beau, qu'elle était beau, t'as la fête, tu es Alina qui chasse à Kuna. Non, Zambé, moi, je vais dire que aussi la tête. Et que aussi la tête, bah, direct. Bon, ça, là, bon, mon ami, quand vous avez le cas, Kuna, Congo, boigne, à Tchéango. Bande, qu'on a un bon limbi, ça, on a un relais, cabino. Allez, total, allez, tout l'an d'information. Mais si on a assez pour la caca, mais bon changer mentalité. Vous pouvez passer à l'aider. 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 Vous pouvez pass
Nous, peuple congolais, toi dessus, n'a pas policier, n'a yo, oh yo, Koukambak. Pas ma policier, moko, excusez-moi pour les termes, des imbéciles. Parce que, puisque le peuple, toi, il te revendique droit, n'a pas au palais du peuple, j'ai un gamin député. Et ça, le peuple congolais. S'il y a un problème, oh, ils ont marché, c'est pour la boca. On est là pour venir ici, pour la boutique, plainte, n'a pas ordre, c'est pour la désordre. Mais non. Ma député, oh, il y a votage. Je suis sur ma côte, je n'ai pas ma machette. Comme ça, là, des autres. Mais il y a peuple, tu n'as pas beaucoup de pommes. Maintenant, le policier, parce que la police, c'est divisé. Ma policier FCC Bazali, n'a pas policier peuple congolais Bazali. C'est vrai ça. Oh, oui, c'est vrai. Oyo FCC, monsieur Bambongo Bakorop, la bête ma gaz, la bête ma coup de balle, et ça va blesser, ma monsieur ma zoté belé. Ma monsieur dans un hôpital grave. Général Kassongo, ce qu'on a besoin, nous sommes là, 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 un individu, excusez-moi, Dieu va te payer. Merci. Voilà, merci beaucoup, tu vas aller pour Koba. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous dire que c'est là. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous dire depuis ton enfant, il y a ma bunda, bye bye, bakéi, et ça fait quoi vous avez? Voilà. Vous allez peuple congolais, vous allez les gens, j'espère que vous avez bureau, ma bunda, et quoi? C'est bien, ma casse. Depuis deux ans, mon président a dit du pouvoir, que tout le monde est au monde de changer. Vous allez ma bunda, ça va vous s'arrêter. On a des présents de décision pour Kouéissa. Pour Kouéissa, Nino, donc c'est bien le macaque. Nous allons assumer un président. Pour Babotia, à ça, il est à président. Pour autant qu'on va pouvoir le faire. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on a envoyé les réactions à peuple congolais. Tu as Ali Penza, Ali Banda, dans l'Assemblée nationale. Peuple Penza, Zali, Azali, qu'on s'appelle destitution topé bolangui ya bureau ya honorable mabunda mumba bureau en fait bureau et quoi population quoi na isengo penza ya koloba ete ya moende penza adingaki esale mapi esale mi peuple congolais azali déterminé pour que bazali ko veiller sur pouvoir ya président Félix Tshisekedi Tshilombo na koloba ete penza moto nyonso ko ala contre donc la mise nyonso sur penza. Il y a des gens qui ont été pour barrer la route. Pour barrer la route, enfin, que ma belle, maman Mbote, maman Kilo Siko, pour nous aller à la bureau, ma bunde, qui est restée pour nous aller. Les gens comme ils sont sur ma bête, mais finalement congolais, congolais qui sont moko. Tout ça comme ils ont gâté pour la ligne. Finalement, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
ya wapi bondingi opposite au ta wapi kongole tumiyote na mawa toyoke na bana mawa bana mazosi kisa maklasi va distancier mwana zako se retrouver na kabine mwana zako senga mama la yegi pa na tongo bako bana mbula nini bako bata mbula nini bako sena baproje na bango mbula nini papa bana na kisa wakomu kwa kukwala na mitula mamona mwana kisengi mwana zoye makedwe mbina kulia venir na ngayo za nini bana na visa makongole mazoye mateke suki na sidi siklasi na kosara mchana nini na kosara na baproje nini bana na visa na mitula mamona za rakamisikite bana na visa makomu kwa mwata kaka wenge viva la muzika bana na visa na mitula mamona kwa makaka wanda seke na fitiri kongole eza muzi et ça par terre, puis ça te commis par Paka, puis ça ma maman la bino, te commis par Paka, nana koya kosi mboka, nana koti mboka di bosso, c'est que jeunesse congolais, et ça passe papa, te boyi bokozia, tricola demine, te boyi yango, te boyi yango, te boyi oya zali na souci pour na peuple na ye, oya na zali na bokozia ya loba. Maman, si pas pendant moi, c'est à Kumba qui est ensemble. Parce que maman, tu as un mot, tu as un mot, tu as un mot, tu papa, Merci beaucoup.
Oh, ok. Lady chef. Bonjour Ndeko. Vous savez, Moussa, ma casse tombe à l'élo, hein? Oui, Hollanda qui est. Voilà, continue. Oh, Chanin. Congo, vous voyez la télévision. Congo, vous voyez la télévision. Congo, vous voyez la félicitations, vous voyez la paix, Moussa, la quitte. Ok, ok, merci. Patron, on a biscuit à Zolanda, yo. Terrain et Zapas. Oui, terrain et Zapas, ma casse. On n'a pas le choix. Non, parce que c'est une casse, hein? Voilà. Donc, tout le monde, je suis allé pour l'actualité à Sika. Vous abonnez massivement, vous likez ma vidéo dans l'abisso. Vous commentez l'abisso. Donc, tout le monde, je suis allé pour l'actualité à Sika. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis content par rapport à cette plénière. Parce que d'abord. Même après, vous avez dit que 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 vous avez dit. Je suis un peu plus de temps. Il y a plus de 270 députés au CG Lélo. Donc, Rome est qui déjà. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire. Donc, on va réel en voilà. Et jeudi, il y aura un plénière jeudi, je n'ai pas là. Pour que Batala m'amène à un niveau, on va s'assurer au maire. Ça va prendre un mois pour qu'on ait du bureau d'élection. Le bureau est assemblé. 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 Le c'est que tu le mets. En tout cas, coup de chapeau. Bonne chance à Mbos Koudiakwanga, Ressota Bandundu, Koupelenda Solo, la grande derrière, pour vous soutenir, Osa Moussa Kitoko. Bye. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci. On va se retrouver que le soir, évidemment, pour les autres informations. Merci en tout cas. Merci à ceux qui nous ont regardés. Abonnez-vous sur votre page, abonnez-vous et merci.